tous. Allez, tout le monde, les amis, 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 les amis,
one. Je vous aime. Bonne année à tout le monde. C'est les vœux, c'est les vœux. Vous ne savez pas de ce que je parle. Bon, je vous ai eu, hein. Regardez comment j'ai le ventre plat. Mon cœur, je te vois en direct, je t'aime. Les cœurs, la donneuse de rock. Tu fais connaître la chanson de Kwanenge. Kwanenge, ça a mort. Les mains du Kwanenge. Le prêtre fait quoi chez les PD? C'est quoi le morceau là que les Kwanenge aiment beaucoup là? Chapte, chapte. Oh, chapte, chapte. C'est qui non? Oh, chape, chape. Oui. C'est qui l'artiste qui chante chape, chape? Un résultat. Donnez-moi un peu le nom, s'il vous plaît. L'Enkwanenge aime ça, la mort. Big up à tout l'Enkwanenge, hein. Et à leur présidente. Big up à tous les lélés. Moi, faut arranger bien le bout de quoi? Ok, le bout de quoi? Comme ces mecs comme ça, ils n'ont même pas vu. Et quand je reviens, vous commencez à arranger, arranger. Quand je vais encore disparaître, vous allez pleurer. Vous avez vu comment vous avez souffert, non? Quand je ne suis pas là. Hé, hey, Fleur de Lille, la chima venue. Il n'y a pas ton deux, la mafo. Ouais, si je parle de Facebook, ça devient quoi? Je suis venue vous dire au revoir. J'ai fait mon discours, je n'ai pas encore commencé. Tchape, tchape. Ah, franchement, je voulais cette chanson. Oh, tchape, tchape. Il n'y a pas tchape, tchape. Je mets ma belle-sœur. Hein. Du moins, ex-belle-sœur. Hey, allez-y. On va faire big up pour Warriors. Hey, si tu n'as pas la connexion, tant mieux. Voilà, bonsoir, bonjour, hein, c'est dimanche, pardon, excusez-moi. J'arrive un instant, je vais prendre mon discours. Bonne santé, meilleurs vœux. Les gens qui n'ont pas la connexion là. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous allez bien. Il y a trop de volume. Voilà, bonjour à tout le monde, meilleurs voeux. Déjà, j'ai pris les nouvelles résolutions pour cette année de parler doucement, de plus parler fort, hein, parce que les Africains, ça crie. Hein. Désolée, hein. Voilà, merci d'être là, connecté. Tant pis pour les personnes qui ont raté le direct. Excusez-moi, je vais mouiller ma gorge. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne vais pas mettre long, hein. Je vais faire au trop.
20 minutes et puis je vais couper. Là, voilà, je vais ouvrir un peu parce que j'ai un peu chaud. Vous savez, quand je suis devant vous, j'ai de la bouffée de chaleur. C'est pas que j'atteigne la ménopause, mais j'ai tellement bouffée de chaleur, tellement je suis heureuse d'être de vous retrouver, vous, ma famille, vous, la team, vous, les abeilles. S'il y a trop de volume, vous me dites, je vais baisser le volume. Voilà. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Si je croise les bras, c'est comme si, pardon. Excusez-moi, je suis un peu timide. Hein. Vous savez, en 2021, je sais pas, je me sens très timide. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Heureuse d'être avec vous. Heureuse de vous voir aussi connectée. Vous m'aviez énormément manqué. Je sais que beaucoup de gens attendaient mon discours pendant les fêtes, pendant la nouvelle année. Mais comme je fais pas des choses comme tout le monde, j'ai attendu que tout le monde se calme et puis moi je reviens derrière. Il y a des gens qui envoient les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes en 2021, donc je pense que la haine, on doit déposer la haine déjà. Ça ne sert à rien. Attendez, vous allez m'excuser un instant seulement. Je vais bloquer. Vous savez, il y a des personnes qui veulent vraiment m'éradiquer des réseaux sociaux. Mais j'ai compris que si je ne suis pas là, il n'y a pas mon deux. On ne va pas se mentir. Quand je ne suis pas là, c'est le calme, c'est le cimetière. Donc, vous avez intérêt à ce que je sois là. D'accord? On est bien clair. Parce que je ne suis pas la personne, ne dis rien. C'est moi qui donne le... En fait, c'est moi qui appuie sur la télécommande. J'ai plus envie de parler comme ça. Mais c'est moi qui fais les réseaux sociaux. Hein? C'est moi qui fais les réseaux sociaux du côté Kamel. C'est moi qui fais ça. Mais il faut arrêter. Il faut partager. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui envoie les têtes de mort... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas qui il est. Regarde comment, regarde à quoi il ressemble. Tu ressembles à 2020. N'importe quoi. Tu ressembles à 2020, tu m'envoies les têtes de mort. Il faut arrêter, hein. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les gens sont aussi haineux? Pourquoi vous êtes aussi haineux? Vous ne m'aviez pas vu, vous m'aviez cherché. Je ne comprends pas. Je reviens, vous envoyez les têtes de mort. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous partez ailleurs. D'accord? On est bien clair. J'ai pas envie de commencer 2020 en m'énervant. Parce que ça ne sert à rien. Je ne veux pas du tout. Vous m'avez pas vu, vous avez tapé mon mur combien de fois? Vous avez tapé, cherché combien de fois? Faut arrêter, hein?
Non, vous ne m'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous regardez. Vous allez venir dire que Flore, tu m'as bloqué. Si vous ne connaissez pas envoyer les cœurs, ce n'est pas la peine de le faire. Est-ce que je peux commencer, s'il vous plaît? Vous me dites. Est-ce qu'il y a trop de volume? Je baisse. Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. Je sais que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très bien. Je fais ce petit ce live pour vous souhaiter les meilleurs voeux 2021. Et voilà quoi. Bonne santé. Beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes réalisations dans vos vies. Voilà, vous savez, il n'y a personne qui peut me faire un discours, qui peut m'écrire un discours. Je suis spontanée. Donc, je vais exactement vous dire ce que je pense, ce que j'ai vécu et ce que je pense sans entrer dans les détails. Vous savez, 2020 a été une année... 2020 a été une année très difficile, très compliquée pour tout le monde. 2020 nous a montré à tous que l'homme n'est rien. 2020 nous a mis à l'épreuve. 2020 nous a montré que nous étions, que l'homme ne tient qu'à un bout de fil. 2020 nous a montré que la fin du monde pouvait arriver comme un jeu. Parce que le COVID-19 a été un test de la fin du monde. Le COVID-19 n'est pas différent de la fin du monde parce que tout s'est arrêté au mois de mars. Au mois de mars 2020, tout s'est arrêté dans le monde entier. Le monde a fait une pause. Ce que personne n'aurait jamais imaginé. Personne n'aurait jamais imaginé que on peut confiner, on peut enfermer tout le monde, que les gens pouvaient vivre la prison à ciel ouvert. Tout le monde a goûté la prison. Pendant le COVID-19, pour les personnes qui n'ont jamais été en prison, ils ont vécu la prison. Parce que ce que nous avions vécu, c'était la prison à ciel ouvert. Nous avons tous été des prisonnières et des prisonniers. C'est pour dire que nous ne nous moquons pas de ceux qui sont en prison. Parce que nous sommes passés par ces cases-là en 2020. Nous avons testé, nous avons goûté la prison. Ce que nous avons vécu n'est pas différent de la prison. Nous avons tous goûté la prison en 2020. 2020 nous a montré que à quel point les gens pouvaient être sensibles. 2020 nous a montré qu'on pouvait que l'homme ne pouvait tenir qu'à un bout de fil. 2020 nous a montré la solidarité. Parce qu'en 2020, pendant le COVID, les personnes qui t'aiment, les personnes que nous aimons ont pris nos nouvelles. Les personnes que nous aimons se sont inquiétées. Chacun s'est inquiété, même de ses détracteurs. Ne pensez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, même si on se clash, ça veut dire qu'on se déteste. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Tes tétons. Quoi? Tes tétons. Tes tétons, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Je ne veux même pas quelque chose qui me... Vous allez m'excuser. Je ne veux même pas quelqu'un qui va venir là m'embrouiller et tout et tout. Je n'ai pas envie de lire les commentaires. Ce que je vais faire, je vais balayer les commentaires. C'est mieux.
Je balais les commentaires, c'est mieux. Comme ça, je ne vois pas les commentaires et je peux parler avec vous tranquillement. Je disais que 2020 était une année très difficile. Je pense que chacun a retenu quelque chose de cette année de 2020. Chacun a pris, a tiré quelque chose de bon et de mauvais quelque part. En 2020, pendant le Covid, beaucoup de couples se sont séparés. Les personnes qui ne se connaissaient pas. Parce que vivre avec quelqu'un, c'est bien hein, de vivre en couple et tout, de vivre l'amour. Mais parfois, tu vis avec quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne. Parce que vous ne vous voyez pas tous les jours. Vous voyez que le soir, à l'heure du coucher, chérie, tu es rentrée, mange, dodo, bye, demain. Donc, bref, beaucoup de couples se sont séparés. Beaucoup de couples se sont réconciliés aussi pendant le Covid. On ne va plus penser à cette année-là parce que c'est une année qui nous a vraiment... qui nous a fait vraiment le mal. Voilà, c'est une année qui nous a... Et moi, j'ai tiré beaucoup de leçons. En 2020, j'ai connu aussi des déceptions. Pas des déceptions amoureuses. En 2020, fin 2020, j'ai connu... on va d'abord parler du mauvais et puis on va parler du bon. En 2020, en fin 2020, j'ai connu des déceptions amicales. Des déceptions amicales dans ce sens où tu embrasses quelqu'un, tu crois que c'est ta sœur alors que c'est la personne qui te poignarde derrière. J'ai connu ça en 2020. En 2020, j'ai connu le bonheur. En 2020, j'ai connu aussi le malheur. Mais si je tiens encore jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à mes abeilles et mes sympathisants. C'est pourquoi je tenais vraiment à souhaiter une bonne année à mes abeilles. Bonne année à vous, les abeilles. Je ne peux pas vous souhaiter individuellement parce que vous êtes tellement nombreux et nombreuses que je ne peux pas citer le nom de chaque personne parmi vous. Donc, je vous souhaite des meilleurs voeux. Que cette année soit une année exceptionnelle pour vous, les abeilles. Que la prière que vous faites pour moi pour que je sorte du clash, qu'elle se réalise. Déjà, vous avez eu à travailler beaucoup sur moi. Ça fait des années que vous priez pour que je sorte de là. Vous savez que ce n'est pas facile. C'est comme une drogue. Quand tu te dopes, ce n'est pas facile de sortir de là comme ça. Et vous voyez que j'ai fait beaucoup d'efforts en 2020. Ça dit 2020 par rapport à 2019, par rapport à 2018. Vous voyez bien que j'ai fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est grâce à vous, les sympathisants, les personnes qui me soutiennent dans l'anonymat, mes abeilles et tous les sympathisants, même les détracteurs. Parce que les détracteurs ont contribué beaucoup à ma visibilité, à mon évolution. Oui, les détracteurs contribuent. C'est pour ça que je fais aussi un big up à tous mes détracteurs qui me regardent. À ces personnes-là qui me détestent sans me connaître parce que tu ne peux pas convaincre tout le monde de t'aimer. Nous sommes sur les réseaux sociaux et je tenais encore à dire, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est le virtuel. Ce n'est pas la vraie vie. Avant de continuer mon discours, je vais peut-être m'embrouiller un peu. Mais avant toute chose, la chose la plus importante, j'aimerais demander pardon. J'aimerais demander pardon à toutes ces personnes que j'ai offensées de près ou de loin. Oui, à toutes ces personnes que j'ai offensées de près ou de loin. J'aimerais aussi vous dire que si j'ai souvent offensé des gens, c'est parce que j'avais envie de me défendre. Vous ne pouvez pas être attaqué tout le temps et vous ne cherchez pas à vous défendre. C'est bien beau de dire non, il faut laisser, ne réponds pas à tel, ne réponds pas à X ou Y. Mais à un moment donné, tu as besoin de te défendre parce que nous sommes tous humains, on a tous un cœur. Même vous qui commentez là, des fois quand les gens me blessent, ça vous fait mal. Mettez-vous donc à ma place. Imaginez si moi je regardais tout ce qu'on dit sur moi, c'est que je ne vis plus. C'est que je n'ai pas de vie, je ne vous mens pas. Donc vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, j'ai besoin de répondre aux gens qui s'attaquent à moi. Et vous avez vu, en 2020, j'ai décidé que le nyama nyama du quartier, je ne suis pas dedans. Et c'est ce qui va se passer en 2021. Parce que moi, je ne peux pas vous promettre que non, je ne vais plus être dans les classes et monter, c'est descendu. Ça fait des années que je promets. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2009. Après i5, je suis arrivée sur Facebook, i5. Pour des personnes qui ont connu i5. C'est i5 était avant Facebook, d'accord? Et je suis arrivée sur Facebook, pas chez le Warman. Je fais un big up au Warman. Hein? Donc, je suis sur Facebook depuis. Et quand je suis arrivée sur Facebook, je ne suis pas arrivée sur Facebook parce que je suis venue chercher les problèmes. Arrêtez de me caricaturer. Genre, Fleur de Lille, elle aime les problèmes. J'aime les problèmes que tu me connais où? Non, mais vous, les Africains, hein, moi, je... Non, sérieux, hein?
Vous savez quoi? Moi, je voulais parler le genre naïonaïo, mais j'ai compris qu'avec vous, hein, mieux je parle fort. Flo de Yel aime les problèmes. Vous ne voyez pas les gens qui me provoquent. Vous voyez seulement que j'aime les problèmes. Ça veut dire quoi? Donc, les gens vont me chier là. Je vais rester là parce que non, grande dame. De grande dame de quoi? Je sais que je suis une grande dame. Est-ce que j'ai besoin que... Je sais que je suis une grande dame à placard. Je sais que je suis une grande dame. Non, vous partez seulement prendre Flo de Lille. Ah non, la fille, elle insulte les gens. J'ai insulté qui? Adon Kochou. Donc, vous ne voyez pas tous ceux qui m'insultent depuis des années. Vous voyez seulement que... Pourquoi moi, quand je réponds une fois, ça fait boum? Naweti. Flo de Lille insulté, Flo de Lille insulté. Non, vous oubliez tout le bon travail que j'ai fait. Hein? Vous avez dit, elle a fait quoi comme bon travail? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait. Ceux qui connaissent ce que j'ai fait, ils savent ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de... Flore, tu as fait quoi? J'ai fait. J'ai donné les conseils, les filles ont réalisé. J'ai demandé aux filles de chercher les papiers. J'ai demandé aux gens de se concentrer dans leur vraie vie. Hein? Que la vente du piment, c'était rien. J'ai ouvert, à yeux ouverts. J'ai assiette ouverte comme ça. J'ai mis à terre comme ça, bam, bam. Les filles qui venaient mentir ici, comment elles vivent, avec un blanc et il est adhéré, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit que c'est des vendeuses de piment. Oui. Il y a quoi? J'ai trahi. J'assume. Vous comprenez un peu? Non, c'est ça qu'il faut me tuer. Non, parce que j'ai dit aux filles, non, vous savez, ne rêvez pas. Moi, franchement, ne rêvez pas. Parce que si tu vois quelqu'un avec un truc, tu vas venir rêver que je veux aussi un blanc comme celui-là. Il y a les filles qui vivent avec les blancs, c'est elles qui s'occupent du blanc là. Vous avez compris? 2020, je n'ai pas envie de parler comme les Africains à crier. Mais je vais quand même vous dire pour la dernière fois aujourd'hui là que moi, ne m'écrase pas. Je suis une dominatrice. Et je suis une fille respectueuse. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Flo de Lille, c'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que sur Facebook, elle montre une image. Flo de Lille, c'est un personnage. Mais vous voulez, mais c'est vous qui êtes à l'école. Flo de Lille, c'est un personnage. Quinca Magina Flo, c'est une personne. D'accord? Il y a le personnage et la personne. Et ceux que je fréquente, que je côtoie, ils savent qui je suis. Je n'ai pas besoin de commencer à prendre le micro pour convaincre. Comme vous faites dans vos familles, vous passez votre vie à convaincre les gens. Non, il faut aimer Flore de Lille. Tu sais, ce n'est pas une fille comme ça. Hein? Il y a les gens qui bagarrent pour moi, c'est l'amour. On a parlé que Kalamongo. Kalamongo est là. Même en 2021, Kalamongo sera toujours là. Kalamongo, il est là-bas. Voilà sa place là-bas. Genre, Flore de Lille, elle a fait ceci aux gens. Je n'ai rien fait aux gens. Les gens même. Parce que je ne suis pas parfaite, mais je suis vraie. J'ai fauté, j'ai fait des erreurs. C'est normal, je suis un être humain. Vous aussi, vous ne fautez pas dans vos familles, dans vos couples. Non, pourquoi vous voulez me crucifier? Parce que non, Claudia fait que si moi je suis tranquille, les gens me provoquent, je ne vais pas répondre pourquoi. Mais j'ai compris le système. Les gens me provoquent pour chercher la visibilité. Et j'ai décidé qu'ils don't finish. Mais je ne dis pas que si quelqu'un m'attaque, je vais toujours répondre. J'ai mes émissions. Vous avez vu, on a lancé nos thèmes là. Qui a pris feu? D'accord? Donc, il faut que les gens arrêtent toujours de me qualifier. Non, mais arrêtez de me noircir. Quand, pour ceux qui me connaissent, je suis une fille qui a la joie de vivre. Je suis une fille qui a la joie de vivre. Je suis une personne qui a le njoka. Quand j'arrive, où il y a le njoka, il y a le njoka. D'accord? Donc, on va d'abord laisser ça. Je voulais remercier les partenaires FDL Cosmétiques, hein. Mon équipe au Cameroun, hein. Mon équipe en France, la Billeuse Boutique. Hein. Tout ce que vous voyez sur moi, c'est la Billeuse Boutique. Hein. Imiter mais jamais égaler. Les gens vont beau vendre. Vous savez, le commerce, hein, tout le monde peut faire le commerce, mais le commerce n'est pas facile. Quand j'ai commencé le commerce ici sur Facebook, les gens ne m'ont pas donné. 2022, ça fait la quatrième année que j'ai ouvert mon entreprise. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des produits. Les gens ont saboté d'une force. J'ai compris la haine du Camerounais. C'est pour ça qu'il y a des personnes que je ne peux jamais les aimer sur Facebook. On n'est pas amis, nous ne sommes pas familiers, mais je ne peux jamais être avec eux. Parce que ce sont des personnes qui ont saboté mon commerce. Tu ne peux pas saboter ce que ta soeur fait. Tu dis que ça vient de la Chine. Qu'est-ce qui ne vient pas de la Chine? Aujourd'hui, elles font quoi? Le commerce. Oh, elles vendent le jansan. C'est monté, c'est descendu. Elles font quoi aujourd'hui? Je n'ai pas envie, parce que pour moi, c'est des déchets. C'est des déchets de la nature. D'accord? C'est des déchets publics. C'est des déchets. Les déchets, c'est des personnes qui veulent être comme moi. Mais j'aimerais vous dire, j'ai créé mon agence matrimoniale, FDL Dating. Vous aviez signalé, on a fermé.
Mais je tenais à dire à tous les partenaires, toutes ces personnes-là qui se sont inscrites sur FDR Dating, que FDR Dating sera relancé. Il y a des choses que je n'ai pas eues, je n'avais pas envie de dire, pour vous montrer à quel point les Camerounais sont méchants. Si votre soeur se décide de présenter, même si je suis célibataire aujourd'hui, que je décide de mettre des personnes en contact qui veulent être amoureux, qui veulent sortir ensemble, où est le problème? Qui ne m'a pas clashé sur les réseaux sociaux? Même les femmes qui font la politique m'ont clashé. Les femmes qui font, les hommes qui font la... Tout le monde m'a clashé. J'ai compris que les gens se frottent à moi pour chercher la visibilité. Et c'est comme ça que je les rase. Il y a les gens qui vont mourir, se déconnecter de Facebook sans que moi, je les réponde. On ne jette les pieds que sur un fruit qui est mûr. C'est parce que je suis mûr, parce que je suis bonne. Pourquoi vous ne vous attaquez pas au rienton là? Parce que vous attendez que moi, Flore, je vais venir vous répondre. Maman, regardez-moi bien. Je vous réponds que quand on me voit d'abord, le charisme ne s'achète pas au marché. Je suis une mafo. Je n'ai pas acheté. Je suis née, donc on m'a donné le pouvoir que, assise sur mon pouvoir comme ça là, sans partage. Mon pouvoir, assise comme ça, je ne partage avec personne. La personne qui est fâchée meurt. Vous avez essayé de me faire le coup d'état. Maman, la perruque aussi, ça fait mal souvent la perruque. Hein? Donc, vous avez essayé de me faire le coup d'état. Ça n'a pas marché parce qu'on fait le... Quand Dieu a déjà béni. Il y a les abeilles même qui sont parties. Il y en a qui sont venus ici que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et cherchez quoi? Vous m'aimez? Oui, c'est bien. Moi aussi, je vous aime. Mais vous cherchez quoi? Que je sois en contact chez votre copine, qu'on se parle tous les jours pour que vous demain venez me trahir, comme d'autres font, genre j'ai vu ses fesses, oh machin, elle m'a dragué, ou bien c'est monté, c'est descendu, non. J'ai décidé que ça va être que comme celle-là. Voici le téléphone, même les téléphones des dirigeants, je ne décroche pas. Hein? Parce que tu es en train de vouloir me piéger. Vous voulez savoir ma vie. Vous m'avez attribué tout. Co. Elle n'est pas mariée. Elle aime ses mains. Je lui ferme la porte. Il y a des choses que je ne veux pas que ma mère entende. Ou elle aime les femmes. Vous faites ce qu'on veut. Flore de Lille, Flore de Lille, gnoc, 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 Flore de Lille, gnoc, 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 Flore de Lille. Il n'y aura pas un deuxième, il n'y aura pas le deux de Flore de Lille. Il n'y aura pas mon deux. Vous avez compris? Où est le téléphone? Après, je vais mettre la ligne. Ceux qui veulent appeler pour souhaiter. Il n'y aura pas le deux de Flore de Lille, gnoc, 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 Flore de Lille. Bon, tout quoi. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait? Même si on veut être connu, vous avez venu vous attaquer, Flore de Lille. Mais reste tout ce que j'ai pissé dessus. Ou partir récupérer mes ex, n'importe quoi. Je fous quoi avec eux. Moi, quand je pars, ça fait mal. Vous avez compris? C'est moi qui quitte, moi, on ne me quitte pas. Vous avez compris? On l'a quitté, on l'a quitté. Qui? Moi, on me quitte. Moi, on ne me quitte pas, maman. C'est moi qui quitte. Et quand je quitte, ça fait mal. J'ai barré. Pourra. Fleur de l'ignore, fleur de l'ignore, fleur de l'ignore. Une bande de 100 caleçons. Elle dit que je parle aujourd'hui la dernière fois. Parce que 2021, je ne vais pas me comporter de la sorte. Donc, j'étais en train de dire que les sapacs là, la patronne, je suis la patronne de beaucoup de gens. Les abeilles, les sympathisants, les gens m'appellent notre patronne. Et sachez que les gens pour qui je suis leur patron, vous ne serez jamais les patrons de ces gens-là. Flore de Lille est exceptionnelle. C'est une personne à part entière, c'est une fille vraie, c'est une fille sincère, mais qui a ses mauvaises habitudes aussi. Hein? Qu'on ne répond pas, ne répond pas, ne répond pas. Je réponds à quoi d'abord? Quand vous me voyez, vous voyez toute cette vieille chouette dont j'en sens gratter, gratter là. Moi, je réponds aux femmes de troisième âge. Je ne réponds pas, même les vieux pères là, aux barbes blanches qui m'ont clashé ici là. Vous êtes venu sur Facebook faire la politique, vous dirigez maintenant dans le clash, ça veut dire quoi? Moi je vous gère pas, on n'a pas, je ne sais même pas si on va se rencontrer un jour, je ne sais même pas. Mais si on se rencontre, on est tous des Camerounais, essayez de faire comme les Ivoiriens.
Hein? N'importe quoi. Hein? Donc, j'ai pris une nouvelle résolution pour 2021. Pour 2021, là, j'ai décidé, si vous avez des questions à me poser, à cœur ouvert, donc ici là, le numéro de téléphone est là. Si vous avez besoin de me poser des questions, je suis ouverte. Donc c'est la nouvelle année. Hein. Vous posez les questions que vous voulez, que ce soit ma vie privée ou quoi. Le téléphone, le numéro de téléphone est là. Je ne sais pas qui connaît le téléphone là. Attendez un peu. Attendez, je vais mettre le numéro. Vous souhaitez joyeux, bonne année à tout le monde. Et on va continuer. On va continuer notre émission. L'émission que vous connaissez là, on va continuer nos thèmes, nos émissions et tout. Oui. On va continuer. Il y a quelqu'un qui m'a insulté. Attendez un peu, quelqu'un. Donc, bref. Vous croyez que c'est facile de rester comme ça? Tout le monde s'acharne contre toi. Tu es toujours là, non? Mais mon frère, vous croyez que c'est facile? C'est parce que j'ai le pouvoir que Dieu m'a donné. D'accord? J'ai le pouvoir que Dieu m'a donné. Et grâce à mes abeilles. Donc, on va continuer nos émissions. Je vais mettre un numéro de téléphone. Je ne sais pas, je dois mettre le numéro de téléphone. Pourquoi? Non. Non. Non, on fera ça une autre fois. On pourra, cœur ouvert, chacun pourra poser la question qu'il veut. Donc, moi, je tenais à vous dire que cette année, pour moi, c'est une année de nouvelles résolutions. J'ai décidé de ne plus pas donner sortie des clashs, hein, parce que les clashs, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Il y a des personnes qui se sont attaquées à moi. Parce que moi, j'estime toujours que quand tu connais quelqu'un, que tu as partagé des choses très importantes avec cette personne, tu ne t'attaques pas à la personne, en fait. Vous savez, si on ne répond pas à certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on a peur d'eux. C'est par respect. Mais quand ça va déjà loin, moi-même, je sais taper où ça fait mal. On a donc Yami, non? When they coach me, I did live and live on. When I did carry sale, manjarakan, I say I go verse the water, I go put the water for them. On a donc Yami, non? No, be say, I be person where they are the con here, where they find me palaba, I go come find palaba, non? Moi, j'ai répondu à certaines personnes qui se sont attaquées à moi. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai arrêté les clashs. Pour ceux qui me connaissent, mais je me suis déshabillée même avant. Hein? Mais quand on laisse après, les gens pensent que non. Parce qu'on a peur d'eux. Quand tu sais que quelqu'un a tes secrets, tu te... Doucement. Il faut souvent arrêter. Et il y a beaucoup de gens ici qui sont souvent que... Ils ont l'habitude que non, je ne connais même pas, je n'ai jamais parlé avec. Alors que tu connais la personne bien. Pourquoi mentir? Pour aller chercher l'amitié. Hein? Voulez-vous vous dire une chose? Pour faire les amitiés, on n'a pas besoin de faire les amitiés avec les noms des gens. Tu peux faire ton amitié avec quelqu'un, travailler l'amitié avec quelqu'un sans prononcer le nom de quelqu'un d'autre. J'ai des personnes autour de moi ici que je pensais que c'était mes soeurs. Mais j'ai vu que ces gens-là sont partis chercher les hommes avec mon nom. J'ai coupé les ponts, j'ai dit plus jamais. Tu imagines une personne que tu prends comme ta soeur. Demain, tu tournes le dos. Oh, c'est moi qui lui ai trouvé la maison. Oh, c'est moi qui l'ai amené dans la ville. Oh, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi, c'est monté, c'est descendu. Elle m'a demandé de lui trouver un mari. Quand vous me voyez, ressent quelqu'un qui peut dire à une fille que trouve-moi un mari. Hein? Mais, les gens comme ça, tu fais quoi? Tu coupes les ponts. J'ai décidé, je ne discute plus avec personne. Une personne qui est, comment on appelle là, qui m'est toxique. Une personne qui s'approche de moi, qui m'est toxique. Je fuis la personne sans... Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook. Je fuis la personne doucement. Je fuis la personne, le genre, comme même le bonjour se voit. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas être avec les gens. Tu les considères comme ta propre famille. C'est des personnes... Parce qu'on a trouvé un homme sur Facebook, le mari de Truy. Il faut aller te saboter. Il faut aller te saboter. Moi, je rappelle, je vais vous dire d'abord à toutes ces filles-là. Quand vous êtes parti derrière Dieu Cyclone là, je voulais vous dire d'abord que pour commencer, c'est d'abord mon frère. Donc tout ce que vous avez eu à les raconter, il n'est pas bavard, il ne va pas venir me dire. Vous partez chercher un homme, vous partez avec le nom de Flordelis. Je vous ai fait quoi? Je vous dois quelque chose?
ou bien vous présentez les maris, vous avez l'agence matrimoniale, savez le nom de Fleur de Lys que vous allez partir. Non, mais sérieux, c'est honteux. Comment tu peux manger dans le même plat avec quelqu'un, la personne te poignarde? Ça veut dire quoi? Donc, moi, je n'ai pas la chance dans les amitiés. Hein, c'est pour ça que je marche avec les homos. C'est pour ça que je marche avec les gays. Parce que les gays, hein, je préfère l'amitié des gays même. Je préfère être amie avec les gays. Parce que sincèrement, certaines personnes, ça ne vaut pas la peine. Il y a des personnes ici sur terre que tu avais, que la personne boit, avait mangé dans le même plat avec toi. Mais la personne te tue derrière, le sabotage de ça. C'est pour se faire boire. Hein, c'est pourquoi? Vous sabotez les gens pourquoi en fait? Pour vous faire voir? Vous sabotez les gens pour vous faire voir? Pour être aimé? Pourquoi? Hein? Vous sabotez les gens pourquoi? Vous sabotez les gens pour vous faire voir? Pourquoi vous sabotez les gens qui ne vous ont rien fait? Moi, je suis quelqu'un qui sait, je suis casanier. Je peux rester chez moi deux, je m'enferme, je ne vois personne. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade sur les gens. Ceux qui me connaissent dans la vie réelle, même le téléphone, que allô, causez, causez là. Parce qu'une personne qui cause trop au téléphone est quelqu'un qui aime les commérages. Si vous avez affaire un jour à quelqu'un qui aime trop parler la vie des gens, toujours au téléphone, ce sont des gens qui aiment les commérages. Certaines femmes mariées n'en vaut même pas la peine. On peut pas être marié et passer la vie à chercher sur la vie des gens, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous dois quelque chose? Non. Je vous dois quoi? Rien. Non, il faut saboter pour se faire voir. Je suis allée au Cameroun, j'ai eu les problèmes au Cameroun. J'ai eu les problèmes au Cameroun. C'est ma team et ma soeur au Cameroun. J'ai entendu comme quoi on m'avait aidé à me faire sortir. C'est monté, c'est descendu. C'est mon agent. Ma BA m'avait donné 200. Il y a les gens qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé. Hein? Donc, prendre quelqu'un, mettre à côté de toi, dire que c'est une soeur. Savez que sa personne va tourner et te faire du mal. Hein? Hein? Oh, elle est lesbienne. Si je suis lesbienne, j'ai un enfant, non? Si je suis lesbienne, je suis triple sexuelle, c'est mon problème, non? Si j'ai décidé que c'est ça qui me plaît, c'est mon problème. Tu es hétéro, tu es marié, tu es un homme. Tu cherches quoi dans la vie d'une lesbienne, en fait? Moi, je comprends pas. Comment quelqu'un... Moi, je comprends pas. Parce qu'il faut qu'on cause, hein? On est en train de parler. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont gays. Moi, je suis quelqu'un, je peux vivre dans tous les milieux. J'ai des amis qui sont gays, qui sont mariés, ça fait longtemps, ils vivent ensemble. J'ai des amis qui sont bisexuels. J'ai des amis qui sont même mariés, mais qui sortent avec des hommes. Parce que moi, je suis une fille qui est dehors. Mais moi, je ne comprends pas des personnes qui sont mariées, soit disant ils sont mariés. Mais vous cherchez quoi dans la vie des gens qui sont gays, qui ne sont pas comme vous? Si quelqu'un n'est pas comme toi, tu gères. Pourquoi tu cherches quoi dans la vie de quelqu'un qui n'est pas comme toi? Tu es marié, tu as tout. Tu cherches quoi dans la vie de quelqu'un qui n'est pas dans ton monde, en fait? Pourquoi vous cherchez toujours le monde des gays là? Ça vous intéresse à quoi? C'est parce que chaque être humain est d'abord bisexuel à la base. Et chacun qui développe, on est tous bisexuels. Et chacun qui... Les femmes, alors, n'en parlons plus. Donc, il faut arrêter d'entrer dans la vie des gens et de juger les gens. Moi, je ne juge pas parce que je suis un personnage public et je fréquente tous les milieux. Je sais ce que c'est que le pardon. J'ai déjà tout fait dans ma vie. J'ai déjà tout fait. D'accord? Mais... Venez s'asseoir sur les réseaux sociaux, bien le Congo, ça, le téléphone, parce que quelqu'un t'a donné 20 euros, quelqu'un t'a donné 30 euros, quelqu'un t'a promis si, commencez à parler de Fleur de Lys. Moi, je vais vous dire une chose. C'est pas parce que je dis bonjour à quelqu'un, me voyant en photo avec quelqu'un, que vous savez que c'est mon ami. Hein. Par exemple, soyons clairs. C'est pas parce que quelqu'un me voit en... C'est pas parce que vous me voyez en photo avec quelqu'un. Parce que l'amitié, il y a ce qu'on appelle l'amitié, les connaissances. Avoir une connaissance, ça ne veut pas dire que c'est ton ami. Hein. L'amitié, c'est quelqu'un que vous fréquentez, vous connaissez, vous partagez des choses, l'intimité, vous partagez le malheur, la douleur, le bonheur ensemble. Une connaissance, c'est quelqu'un que tu vois quand il y a le bonheur, vous rigolez comme ça en passant. Je suis chez moi, je vis tout comme ça, seule avec ma mère. Quand je ne suis pas là, j'ai une fille ivoirienne qui s'occupe de ma mère. Parce que j'ai choisi, j'ai compris que les Camerounais, c'est des diables. J'ai compris que les Camerounais, c'est des traîtres. Je ne veux même pas qu'une Camerounaise entre chez moi. Parce qu'elles vont entrer chez moi. Si j'ai laissé même le caleçon tomber là, elles vont aller dire comment je suis sale. Je suis bien avec ma mère seule.
Parce que quand je laisse mes coussins, je reviens, je trouve comme c'est là. Je ne fréquente pas les gens. Je suis venue dans une ville parce que ma mère, elle se fait soigner dans cette ville. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas venue chercher l'amitié ou bien la familiarité avec qui que ce soit. Qu'on soit clair là-dessus. Donc, quand les gens se pavanent avec mon nom de gauche à droite, dis-le que moi, je dis que je suis une fille unique. Oui. Parce que j'ai compris que même dans les abeilles, là, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Toujours dans le Congo, ça, à savoir dans la vie des gens. On n'a pas de vie. Occupez-vous de vos vies, de vos enfants, de vos familles. C'est pas croyable, ça. C'est quoi? Je sais qu'en 2020, vous allez, je veux 2021, vous allez changer. Vous allez vous occuper de vos patates, de vos maniocs, de ce qui vous regarde. Vous n'allez pas vous asseoir derrière, parler de la vie des gens, dramatiser sur la vie des gens. Alors que c'est faux. Vous savez, quand quelque chose vient de quelqu'un que tu connais, que tu as bu avec, ça fait plus mal qu'un inconnu, hein. Mais parce que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette haine. Tu vas chercher le mari de mon frère. Tu vas chercher mon frère là-bas. Vous partez chercher Dieu Cyclone. Vous n'avez pas besoin de parler de... Vous permettre de parler de moi. Hein. Dieu Cyclone, c'est mon frère. Donc ça tourne n'importe quand c'est mon frère. Et quand vous parlez sur les hauts faux profils, sur Facebook. Quand vous parlez aux faux profils sur Facebook, sachez que les faux profils, là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. On ne se confie pas à un faux profil. Même si le faux profil t'envoie l'argent ou le bonbon, quoi. On ne se confie pas à un faux profil. Quand tu as fini de te confier, le faux profil, hein, un jour, ça va tchakala. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand tu es faux profil, tu restes faux profil. Oui, c'est comme ça. Bonne année. Donc, comme je disais, je voulais m'excuser. Je n'avais pas envie de dire que certaines personnes ont même 20 sexes ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on m'a provoqué. Oui. Je n'avais pas besoin de dire ça. Moi, il faut une place. En 2021, je suis une place. Il n'y a pas que quelqu'un s'attaque à moi. Si le doigt fait mal ou ça fait mal, je fais mal ou ça fait mal. Parce que c'est comme ça. Oui. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, 2021, moi, je vois une année où je serai vraiment en haut, quoi. Oui, je vois une année où je vais encore évoluer. Je vais continuer dans mes émissions. Comme on a commencé, c'est quelque chose qui est très bien. Je n'ai pas besoin d'entrer dans certaines choses. Voilà. Donc, bonne année à vous, bonne santé, beaucoup de bonheur. Je préfère rester seule. Vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Je suis seule, je suis bien. Je suis seule dans mon coin, je suis bien. Je souhaite une bonne année, une belle heureuse année à Joséphine Bayan, la milliardaire. Belle heureuse année au présent à Maud Jaguar, Jean-Jacques Macan, Dieu éternel, LVL Cosmétique, le bon, le bien, la reine galloise. La reine galloise qui a entrepris quelque chose de très important. Son projet est magnifique. Il faut seulement que les gens l'encouragent. Le projet de la reine galloise. Parce que ce qu'elle fait au Cameroun, ce n'est pas donné. C'est pourquoi je l'envoie mes félicitations. Je tire un coup de chapeau. Ce n'est pas donné. On ne se lève pas comme ça pour faire comme elle fait là le soleil qu'il y a au Cameroun. Elle est sur ça, elle monte et descend pour les enfants différents. Je pense qu'il faudrait qu'elle ouvre son ONG. Ça va la propulser plus loin. Parce que chacun a son truc que Dieu lui a donné. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose de bien. Certaines personnes vont se dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça là? Oh, elle ne s'occupe pas de ses enfants. Si ça peut l'épanouir, ça l'épanouit. Il ne faut pas seulement regarder que oui, elle allait en vacances au pays, elle n'est pas en train de s'occuper de ses enfants, elle ne fait que monter, elle descend, elle fait ceci, elle sait ce qu'elle fait, c'est une brave fille. C'est une brave dame. Ne regardez pas le fait que Fleur de Lys, ah, elle n'a pas partagé telle chose de la reine galloise. Je vous ai dit que ce n'est pas un cordon ombilical. La reine galloise a une page, elle est suivie, elle est indépendante. Donc arrêtez un peu ces histoires derrière, là, de trop parler derrière.
oh, elle n'a pas partagé. La reine Galois a fait ceci. La reine, mais si je parle à la reine, je n'ai pas besoin de venir vous dire que, oh, comme vous voyez, j'ai donné ci à la reine Galois, j'ai donné ceci, j'ai fait ceci. Non. Chacun fait ce qu'il peut. Ce n'est pas parce que vous partagez que je suis obligé de partager. Non. C'est comme ça. Est-ce que tout ce que Mini Mino fait, je partage? Tout ce que Nivaki fait, je partage? Non. Donc, il faut que vous sachiez que quand on a déjà une personnalité, la reine galloise, elle a son truc qu'elle fait. Elle a son mur. Elle a sa page. Elle est suivie. Ne pensez pas que je vais partager parce qu'on me dit de partager ou bien je vais en parler parce qu'on me dit d'en parler. Non. Elle parle déjà très bien. C'est un très bon projet qu'elle a. Il faut la soutenir. Il y a des personnes qui soutiennent discrètement. Il y a des personnes qui la soutiennent, qui n'aimeraient pas que leur nom soit sur les réseaux sociaux. C'est important de savoir ça. Donc je tire un coup de chapeau à la reine galloise parce que elle a trouvé son chemin et c'est une très bonne chose. Elle a trouvé son chemin. C'est quelque chose de magnifique. C'est qu'elle est en train de faire. Les enfants différents. Parce que si tu n'es pas encore passé par là, tu ne peux pas savoir ce que c'est que les enfants différents. C'est quand tu es passé par là que tu comprends ce que c'est. Donc, 2020 pour moi, c'est une année. C'est un très bon projet qu'elle a. Il faut la soutenir, soit sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ai dit, je vais bientôt finir mon live. Je vais bientôt finir mon live parce que, donc, sincèrement, bravo à la reine galloise. Donc, ne venez plus là. Comme je vous dis, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que c'est toi qui mets ta connexion. Sachez que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, c'est le virtuel. C'est toi qui mets ta connexion, tu décides de soutenir qui tu veux. Le jour que tu ne veux pas, tu changes encore. Parce que vous avez d'ailleurs même les milliers de faux profils. Attendez, j'ai vu une tête de mort sur le commentaire de quelqu'un. Fiche la paix. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai bloqué quelqu'un. Vous savez, quand je vois seulement une tête de mort sur le commentaire de quelqu'un, je bloque. Un big up à Prestige la classe, à Reine, Prestige la classe. Est-ce que vous voulez que je mette le numéro? Vous voulez appeler pour souhaiter bonne année et tout? Si vous ne voulez pas appeler, on va faire un big up à la Warios et puis on va arrêter le live. Vous savez, en 2021, je ne veux plus rester longtemps en direct parce que c'est que la vie est dure. Oui, si vous voulez qu'on mette le numéro, on met le numéro. Oui, nous sommes dimanche. Coucou, on met le numéro. Coucou, Estée Julie. Ça va? Napula Nyamsele, Alice, Nana, tout le monde. J'aimerais... Ah, le roi Mouélé, bonsoir à toi, bonne année. Bah, écoutez, je mets le numéro, on va souhaiter bonne année. Attendez, je vous dis quoi, le numéro. La personne qui va appeler pour souhaiter bonne année appelle. Coucou mon cœur, je t'aime. Sache que je t'aime. Je vois comment tu es toute souriante à me voir. Je t'aime mon cœur. Merci à mon équipe au Cameroun. Attendez, je mets appel. Tac. Oh, appel. Appel. Attendez, moi, je mets le numéro. Plus. Vous savez que j'ai un problème, j'ai mal aux yeux. Plus 33. Après, on va faire un... Je vais faire une parodie sur Wario C. La clasheuse 2000... La meilleure clasheuse 2015. 2020. Attendez, je coupe ça avant de continuer sur Wario C ou bien je laisse. Bonne année à toutes mes soeurs, mes détracteurs, là. Bonne année à mes soeurs détracteurs, là. Nous sommes dimanche. Bonne année à vous. Mes soeurs détracteurs, là. On va descendre à la repos au Camerounais. Ça ne sert à rien de faire comme si. Donc, bonne année à vous. J'ai mis le nom bas.
Attendez, on commence d'abord sur... On fait la parodie sur Warriors, hein? On coupe d'abord ou pas? Happy New Year! Bonne année à vous. J'ai mis le numéro. On fait la parodie sur Warriors, non? Attendez, on fait la parodie sur Warriors, oui ou non? C'est 2021, on doit être en haut, non? Le 10 de Facebook, le 10 de Facebook. Hein? Ok, on fait la parodie sur Warriors, on coupe d'abord alors, hein? D'accord. Je veux qu'on fasse la parodie sur Warriors. On doit faire un bingo pour Warriors. Attendez, je coupe. Vous aimez alors les appels. Hey, vous aimez les appels, hein? Allô? Oui? Bonjour, ça va? Bonne année. Bonne année. Ouais, ça va. Très bien. Et que je vous... Donc, je vous ai manqué. Non, je voulais un peu vous faire une farce, là. Donc, je vous ai manqué. Oui, on se disait que je suis au Cameroun, non? Ok. Donc, quand je suis pas là, vous me cherchez. Hein? Oui, on se disait que je suis au Cameroun, non? On se disait que je suis au Cameroun. Est-ce que quand je suis au Cameroun, je suis calme? Parce que quand tu es au Cameroun, tu n'es pas le patron. Donc vous m'avez pas vu comme ça. Donc vous êtes inquiété comme ça. Est-ce que je vous ai manqué d'abord? Tu nous as trop manqué, ma c'est vrai. Un gros cerveau, tu n'avais pas de moi. C'est vrai. Ben, va chier de ça. Donc, c'était calme alors. Oui. C'est comment, c'est quel gars qui t'a fait comme ça en charge de ma Tu sais que mon gars m'a promis le mariage. Il m'a dit alors que oui. Si tu ne pars pas sur Facebook pendant une semaine, j'ai aussi accepté. Là, maintenant, c'est fini. Il devait me donner encore l'alliance. J'ai donc dit que je ne veux pas go. Est-ce que j'ai tenu alors? Ok, d'accord. Ça marche. Comme je vais couper, je vais faire une semaine sans être sur Facebook. Oui, maman. Ok. Beaucoup de santé à toi, maman. Faut que nous donnions vraiment la joie de vivre. Comment? Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Salut, moi, toute la famille là-bas, la maman et tout. Le monde. Ok. Bon. Maman, parle à reçu avec les gens. Tu veux quelque chose? D'accord. Ouais, vous allez me dire que si tu vois en train de faire la nourriture. Allô, mon bébé. Eke. Eke, pourquoi il ne te voit pas? Maman, Nanga et Toto. Tu as mon cou, Nanga. Mais pourquoi je ne te vois pas? Essaie de cliquer sur la caméra, tu reviens dessus. Je fais comment? Clique sur la caméra, tu reviens dessus. Comment on fait? Eke, ça va mon trésor, tu es belle. Donc je vous ai manqué, jusqu'à tu m'envoies un message, tu pleures. Ko, tu m'as manqué. Je m'as manqué, ma fou. Ah bon, je vous ai manqué, et comme je m'en vais au mariage là, mon gars m'a dit de quitter Facebook. Hein.
coucou à toutes les abeilles. Mm-hmm. Bonne année, ma fou. Ouais. Bonne année à ma mère. Je peux faire, on peut te voir. Je peux montrer, on te voit. Est-ce bonne année? Bonne année à tout le monde. Bonne année à toutes les abeilles. Et joyeux anniversaire encore à Mamie Anna. Bonne année. Attends, donne-moi 2 minutes. Voilà. Attends, je pose les ignames à la main. Pardon, donne-moi juste 2 minutes. Tu sais que la matière. Et la matière, elle est que. On dirait que quand elle me voit faire quelque chose, c'est où elle m'envoie. Tu connais le genre là? Non, les mamans du pays sont terribles. Quand elles te voient occupée, c'est où elle t'envoie. Genre, elle t'envoie, on dirait que. Oh, wonderful. C'est normal. Oui, maman. Alors, attends. C'est normal. Tu n'as pas vu le lien. C'est comment? Oui. Maman, tu ne voulais pas nous faire le direct. Hein? Tu ne voulais pas nous faire le direct. C'est quoi? Tu as plus que je suis. Non, je peux lui faire le direct. Maman, je suis fiancée. Ah. Maman, regarde, mon frère. Tu voulais nous faire des directs. On a compris la leçon. C'est bon. Hein? On t'aime. Viens alors. On fait le même bon, maman. C'est trop bon. Non, je n'aime pas ma maman. Elle te dit que. Non, non. Pardon, ceux qui aiment me voir. Pardon, excusez-moi, c'est pas que je mange en direct. Non, non, c'est que ma mère, elle critique. Elle, elle dit que j'ai bien pour elle, c'est pas trop cuit. Parle. Voilà. On a compris, ma faute. Tu nous as fini. On a compris. La prochaine fois, Rosière, s'il te plaît. On ne va plus te faire des problèmes. Mais comment? Mais Warrior, c'était là, non? Pour cette fois, je ne suis pas là, Warrior. Ouais. Attends, je veux parler en mariage. Moi, je vous comprends. Père. 2021, maman, je me marie. Moi, je suis fiancée. Il y a un gars qui m'aime jusqu'à le feu sort, maman. Est-ce que le gars a demandé votre autorisation? Et le gars dit que mon bébé, maman. Il dit que quand mon gars me parle. C'est votre problème. Hein. Si vous voulez, vous dites que je manque. Je ne manque pas. Ko, Florélie, tu n'as jamais le gars. Tu parles tous les ans. Voilà, Anouchka. Maman, je te fais des gros bisous, mon bébé. Vraiment, je ne vais pas couper le direct pour relancer. Non, comment il va envoyer quelqu'un? Je vais, je retire la voiture au garage, je viens chercher moi-même. Ouais, d'accord, mon bébé, bisous. Love you, trésor. Merci. Yedike. Quand je vais me marier, vous allez faire quoi? Hein? Là où je suis en train d'aller en mariage, là, que mon gars même, que mon gars m'a dit que, bébé, tu m'as fait souffrir en 2020. Depuis des années, le tout si, promets, j'ai promis. Comme, hein, c'est pour ça que je vais faire le direct, dites ce que je veux passer. Après que je vous dis bye bye, je vais revenir encore le week-end ou bien. Maman? Attendez, on va faire Wario. On va faire Wario. J'ai trop envie de l'imiter. Maman, il y a que les gars qui appellent. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Non, ça va bien, toi? Bonne année. Bonne santé. C'est Sylvain depuis l'Italie. Ah, enchanté. Ah, ok. J'ai un sujet là, je ne sais pas si tu pourrais m'aider, ma. C'est quoi comme ça, mon père? Mon père. En fait, j'essaie de dire
La mafre, tu es la mafre d'abord. Tu as les relations, tu as des contacts avec des amis, avec des femmes, avec des belles femmes, tu vois. Mmh. Oui. Moi, je suis un homme d'affaires ici en Italie. Ma belle d'amour. Attends, ne quitte pas, ma belle chérie. Oui, je suis en direct, je t'appelle tout à l'heure. J'ai besoin d'une femme que je peux faire ma vie. Une femme, même si elle n'a pas les carolos, il n'y a pas un problème. Une femme que je peux ouvrir une activité pour elle. Hey, tu vas lui ouvrir la boutique, papa? Même si c'est le restaurant, même si c'est le salon de coiffure, je veux une femme que je peux faire la vie avec elle. Envoie tes photos. Comment? Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Hé, hey, papa, j'ai le même âge que toi, hein? Oui, mais si à l'âge, je suis ça. Non, je veux dire que tu es doux. Regardez là, je veux tu es doux. Une femme bien, une femme que... Pardon? Tu es doux. Je suis pas américain. Je prends. Tu as 40 ans, c'est ça? Tu dis que tu peux l'ouvrir même la boutique, hein? Oui, oui. Même si c'est à Paris, non? Le problème, c'est que moi, je suis en Italie. J'ai les cas le plus en Italie et j'ai mes activités. Et je ne veux pas ouvrir une boutique à une femme, elle en France. Mais elle va te taolotiser, non, papa? Est-ce qu'on va trouver les femmes qui sont là? On trouve une qui a le Bordeaux, qui a le chez-elle, qui vit même avec sa mère ou bien avec son enfant, qui a même ses un enfant ou ses deux enfants. Tu fais ta vie avec elle, tu viens en France, elle vient en Italie. Où est le problème? Hein? Je viens en France, je suis en Italie, elle vient en France. Je dis que oui. Elle peut vivre en France. Vous commencez d'abord le genre que tu viens chez elle, viens chez toi. Où est le problème? Pourquoi vous n'aimez pas les filles qui sont les bonnes choses? Vous regardez tous les vieux rombiers qui ont raté leur vie. On te parle qu'il y a les filles disponibles. Oui, je dis ça. Je veux une fille comme ça parce que je suis un homme d'affaires d'abord, ma femme, parce qu'il faut que je suis un homme d'affaires. Oui. Tu vois, parce oui. Que ça donne toujours parce que je veux. Le problème, c'est que j'aimerais être avec une femme. Je veux vivre avec une femme dans la même maison. Mais mon père, pourquoi tu ne peux pas venir? Si c'est une femme d'affaires aussi, comme tu es un homme d'affaires, ça, c'est ça qui donne bien, papa. Tu fais quoi avec le bras cassé? Tu vas être avec un bras cassé, elle est bras cassé, vous êtes deux bras cassés, ça donne quoi? Non, regarde, ma fille, je veux une femme qui peut se battre, qui peut avoir une activité. En fait, j'ai envie d'avoir une activité en Europe et tout. Attends, je filme ton numéro. Oui. Voilà, une femme que tu investis sur elle, demain tu n'as pas, elle te donne. Pas les pauvres filles là qui n'ont rien là. Tu vois les pauvres chouettes là, elle n'a rien. Tout pour elle, c'est aller acheter le sac à main qui coûte cher. Demain tu dis que même chérie, j'ai besoin de 2000 euros, elle ne peut pas te donner parce qu'elle n'a pas. 2021, si mon père, ne cherche plus les filles qui n'ont rien, tu as compris? Ne cherche plus les femmes, une femme qui ne peut rien t'apporter en 2020, ça ne vaut pas la peine. Tu pars où avec? Ouais, oh. Mais un chef d'entreprise comme toi, tu es gigolo dans quoi, papa? Quand on parle des gigolos, on parle des... Vraiment, quand tu te vois, est-ce que tu ressembles d'abord à un gigolo? Regarde d'abord comment tu t'exprimes. Tu ne ressembles pas à un gigolo. Laisse-moi les histoires du quartier. Tu comprends un peu? Je te contacte tout à l'heure. Vraiment. Mmh. Tu as les enfants? Où? Ah, ça va. Donc, si tu as une femme qui est française, elle peut une fois mettre dans le dossier, l'enfant vient. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je veux qu'il y ait l'amour. Oui, mais l'amour est bien, non, papa. Qui va venir sans amour? Qui? Ouais. Je ne suis pas le genre de personne que quand il va avec une femme, il met d'abord dans sa tête que c'est le kaolo qui passe. Ouais, le kaolo de quoi, papa? On est né. Attends, je dis, qui est né avec le kaolo? Quand tu te regarde comment tu es. Qui est né avec le kaolo? Tu parles de quoi? Que les filles arrêtent de dire qu'elles ont le kaolo, elles ont le kaolo de quoi? En 2021, on ne parle pas du kaolo. On parle des réalisations. Il y a les filles qui ont le kaolo, mais elles n'ont rien. Tu parles de quoi? Mais attends, si tu sais que pour ouvrir la boutique ici, là, il faut au moins même 50 colonos, minimum. Je sais, Marco. Voilà. Je te contacte tout à l'heure.
Mais tu peux te déplacer, venir en France d'abord voir Langano. Oui, oui, c'est même que pour l'instant, avec le Covid, là, les frontières, ça ne passe pas. Ouais, donc tu vas encore. Ouais, donc si tu rencontres une gars maintenant, tu vas la manquer jusqu'à. Elle va. Ouais. Tu sais que les filles d'aujourd'hui, elles tombent amoureuses jusqu'à. Son cœur va faire mal, hein. Ouais. Non, mon père, tu mérites vraiment une bonne femme, hein, vraiment. Tu mérites une bonne femme. Ne te dérange pas, on va régler ta situation, tu comprends. Les gros, mais fais-moi un bisou, non. Qui appelle aujourd'hui? Ouais, je vais bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Mais je veux d'abord, la dernière fois, je te dis que m'appeler pour que je t'offre ton cadeau de bonne année. Tu m'as pas appelé, tu m'as plutôt renvoyé. Tu m'as envoyé dans le même année. Ah, ouais, ouais, c'était mon cadeau de Noël. Attends, je prends le nom bas. Ouais. Mais tu connais ta petite appelle là? Je connais, non, mon bébé. N'est-ce pas la dernière fois, même quand je faisais les produits, tu m'avais même donné le cadeau, non? Ouais, Guizo de Paris, toi aussi, ce n'est pas toi. Hein. Je ne veux pas donner ton nom. Comment tu vois? Je suis jaloux. Je t'ai vu chez la vieille chouette Jansan là. Tu cherches quoi là-bas? Non, non, non. Attends, on va s'expliquer après, s'il te plaît. Je ne veux pas parler en direct. Rappelle-moi après ton direct, s'il te plaît. Je te demandais de toujours quand tu te dis que tu me rappelles. Tu te dis on a piraté mon coup. Et c'est la personne qui commence chez la vieille chouette Jansan à rater, gratter, gratter. D'accord, bébé. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. D'accord. Ah, maman, les prétendants de ça. 2021, hein, je vous ai dit. Je ne tourne pas autour du pot. Ou bien, toi, il change ta façon d'être. Je ne change pas ma façon d'être. Je vais me marier ici devant vous, allez voir. Qu'on change ta façon. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, trésor. Parle un peu fort, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, oui, ma puce. Oui, je t'écoute. Enchantée, ma chérie, enchantée. En fait, j'ai vu ton direct la dernière fois quand tu parlais des aventuriers. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas le tour des aventuriers, ma puce. Vraiment. Tu vois un peu. Pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas le direct pour les aventuriers. C'est juste pour souhaiter bonne année. On va reprendre les choses. Ok. D'accord, mon bébé. D'accord, mon bébé à moi. D'accord, mon bébé. Les blessés de guerre vont revenir. Hein? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Moi, je viens, c'est qui? Ah, oui, je sais plus. Hein. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Ah, je te rappelle tout à l'heure. D'accord, ça marche. Ça, tu me fais un message, hein? Je t'embrasse. Meilleurs vœux. Bisous. Bonne année à toi, Ryan. Oui, allô? Vous aimez, je vous ai manqué. Oui, allô? Allô? Oui. Hein? Comment vous allez? Bien, mais tu m'appelles seulement, papa. Tu es en train de dormir. Non, je ne dors pas. Mais en 2022, on parle pas dans la couette. Hein. Tu m'écoutes pas, quoi? Enlève le mouchoir que tu as mis sur la bouche, là. Tu caches ta voix, pourquoi? Moi, je n'ai pas mis mouchoir, non. Ah, d'accord. Ah, je t'entends bien, ça va?
ça va maintenant, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute bien. Oh, tu es ravissante. Heureuse année à toi. Merci beaucoup, mon bébé. Heureuse année. Vraiment, heureuse année à toi, meilleur vœu. Beaucoup de santé. Merci. Longévité. Amen. Beaucoup de succès. De... Amen. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Non, regarde, tu reviens. Parce que comme tu cherches le sujet là, regarde, tu reviens. J'aimerais dire quelque chose aux Africains en 2021. Je souhaite que les Africains arrêtent de parler fort. Les Africains parlent trop fort. Vraiment, si on peut arrêter un peu de parler fort, ça serait bien. Oui, allô? Allô, ma fo? Mmh, c'est comment? Allô, bonne année. Bonne année, la beauté bonne de année. Ça. Ça va. Bonne année. Voilà, moi, je te souhaite une bonne année et je souhaite que tu deviennes une comédienne parce que, sincèrement, tu nous fais rire. Je ne sais pas souvent avec qui tu as des problèmes. Mais quand tu racontes une histoire, c'est franchement toujours très... Ça nous fait toujours rire. Alors deviens une comédienne et mais... personne ne pourra t'imiter parce que personne, les autres ne font pas rire. Mais aidez-moi à entrer dans la comédie. Regardez même les filles là qui font les films au Cameroun là. Qu'elles me prennent même pour un rôle, non? Les filles là, comment on l'appelle là? Pardon, il faut biper les filles qui sont les productrices du Cameroun là. Qu'elles me prennent. Aïcha Kamoise, prends-moi, on fait quelque chose, ça va donner. On écrit une histoire. Non, merci. Voilà, non. Voilà. Ouais, ma, tu ne vois pas que j'ai arrêté depuis. Non, tu as arrêté. Mm-hmm. C'est bien comme ça. Voilà. C'est pour ces conneries-là. Je te dis. Tu fais des affaires. Oui. Voilà. Mais si quelqu'un m'attend que je réponds, je réponds. Ne venez pas me dire que Woko, ma fou. Non. Ne venez pas qui sont les gens qui s'ennuient. Non, je dis que si quelqu'un m'attaque et que j'ai envie de répondre, laissez, je réponds. Hein? D'accord, ok. Love you. Bonne année, bye-bye. Bonne année, love you. Maman, le goût de ça. Hé, hey, maman, j'ai trouvé le mari en direct ici devant vous. Un gars que le mariage, je dis que c'est votre problème. Un Italien, maman. Italien, je m'en fous, j'ai le caolo, vous comprenez, non? Je suis plus là pour dire que le papier a fait que à 40, 42 ans, elle fait quoi avec les papiers? Je vais épouser le gars là, oh ah. Oui, allô? Allô, ma chérie? Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi. Oui. Bon, je souhaite joyeux Noël à tous les abeilles du monde entier. Oui. Bonne année à et toi. Et je dis surtout big up à la roi, à la royos, à la veuve joyeuse, pardon. Oui, on va lui faire quelque chose tout à l'heure, la veuve joyeuse. Oui, à notre veuve de tous les temps. Mm-hmm. Tu as eu Wario, c'est ça? Oui. J'entends même à ta voix. Je dis que tu as eu Wario, sinon j'entends même à ta voix d'odontole. On dirait que tu as bu. Oui, je suis un Wario aussi. Oui! Warios! Warios! On va faire un petit truc à Warios. D'accord. Merci. Bon. Merci. Attendez, je vais faire un petit truc à Warios. Attendez, ne quittez pas. Je vais faire quelque chose à Warios. Gossa! Gossa, c'est maman. Ouais, ma Dago, ben. Dago, attendez, je vais faire quelque chose à Warius. Aïe! Ouais, maman Sarah, attendez. Thank you.
Warriors. 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 Attends, on va faire Warriors. Attendez un peu. On va faire big up à Warriors. C'est qui a pris le pouvoir? On va faire un big up à la plus grande clasheuse de 2020. Vous comprenez, non? On fait un big up à la plus grande clasheuse de 2020. Parce que... Ngosa, c'est son papier.
Ngosa, Ngosa, c'est son papier toilette. Ngosa, tu dors sur le pont. Tu dors sur le pont. Sans domicile fixe. Ngosa, tu n'as rien. Le ventre vide. Le ventre vide, Ngosa, tu n'as rien. Ngosa n'a pas où dormir. Elle a faim. Elle traîne sous les ponts. Elle a le dentier. Va remettre le dentier que tu as volé. Ngosa n'a pas les dents. Ngosa n'a pas de dents. Fixe dents. Elle a le fixe dents. Oui, Ngosa n'a pas de maison, Ngosa pas aller, elle n'a rien. Ngosa est orphelin. Mais attends, Ngosa, ton canapé où tu as dit Ngosa, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez Ngosa. Où elle assise, ce n'est pas chez Ngosa. Où Ngosa s'assoit, elle parle forcément les ongles. Ngosa va travailler. Ngosa n'a rien. J'ai mes trois immeubles. Et Namungoy. J'ai Namungoy, j'ai Letty, j'ai Alice. Ngosa a quoi? Ngosa a quoi? Ngosa n'a rien. Hein? Ngosa s'assoit et commande. Ngosa commande sur Facebook. Les TKO, ou. C'est moi, c'est TKO, ou. Ngosa n'a rien. Ngosa. Regardez, une traîneuse. Elle traîne, Ngosa traîne partout. Hein? Ngosa traîne partout. Elle dit que je suis chez moi. Oui, à Suresnes. Oui. Ngosa. Achille en prison. Achille, pas Achille en prison. Tcha-tcha. Le tcha. Le tcha-tcha-tcha-tcha meringue. Le tcha-tcha. Oui, Achille, c'est le tcha-tcha. Hein? Ngosa, c'est une voleuse. Ngosa, elle s'assoit avec quelqu'un. Ou. L'autre qu'on appelle ma. Qui grimpe là? Franchement, du poisson fumé. Ouh là là. Et une autre qui brûle, qui braise le poisson fumé. Elle a fumé partout. Elle brûle le poisson en soi-disant Élise Battante. Elle fume le poisson en France, franchement. Elle s'assoit au parc, elle fume le poisson. Et on dit que la veuve joyeuse est pauvre. Moi, dans la pauvreté. Elle fume partout, elle peut brûler la France. Elle s'assoit au parc, elle allume le feu en France. Soi-disant Élise Battante. Hein? Moi, la veuve, je suis chez moi. Je suis dans mon ganda. Je suis ici dans mon ganda. Hein? Elle appelle même celle-là Coco là. Après, revient encore. Ngosa! Qu'elle parle pas de quoi, hein? Elle parle de n'importe qui, elle revient sur Ngosa. Franchement, Ngosa, c'est. Mais Ngosa, c'est une rien-ton. Je ne sais même plus comment l'insulter. J'ai tellement insulté Ngosa. Je ne sais même plus comment l'insulter. Ngosa n'a rien, c'est une rétro, elle ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Va au Cameroun, va Ngosa. Tcha, 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 tcha. Tu as fini de voler les cartes bancaires des gens. Comme ça. Elle s'assoit, elle fait ça. Regarde comment tu finis. Tu finis en direct. Tu ne fais que finir, finir, finir. Ngosa, tu peux me parler à moi, la veuve joyeuse. Tu peux me parler. Tu peux me parler. Tu insultes Namungoy. Tu parles de Namungoy. J'ai des enfants métis. Je te rappelle que Namungoy est métis. Letty métis. Alicia métis. Ngosa, tu n'as rien. Hein? Regarde-moi ça. Tu t'assois, amène l'enfant au parc. On voit. Tu t'assois, tu tournes en rond. Tu peux pas aérer l'appartement, Ngosa. Allier l'appartement.
L'enfant doit aller au parc. Tu es toujours là, tu tournes comme ça dans la maison avec l'enfant. Tu ne peux même pas descendre au parc. Enamungoy. Enams. Tu insultes Enams. Enamungoy qui te dépasse. Voilà Enamungoy qui joue ici. Voilà Enamungoy. Tu parles à Enamungoy. Enams. Attends, je mets un peu le vent de sa mélène. Tu parles. Gossa. Ta mère fait le camion ici, à Bordeaux. Oui. Tu viens dire que tu peux parler de ma mère à Saint-Mélima, qui est assise chez elle. À Saint-Mélima, tu parles de ma mère Gossa. Ta mère est assise dans le camion là-bas. Trois hommes l'ont binda pour qu'ils les poussent. Tu viens parler que tu peux parler de ma mère. Regarde-moi, regarde-toi. Tu sais que la veuve, elle a les manières des riches, non? Regarde-toi. Gossa, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Le fixe-dent de Pachoukroun. De Pachoukroun. Tu as volé l'argent de Pachoukroun. Tu es parti te mettre le fixe-dent. C'est parce que tu fais un vocada. Vocada. Vraiment, les gens de vocada. Ils ont déjà tout vendu au Bamileke. Ils sont dedans comme ça. Ils ont tout vendu au Bamileke, les gens de Vokada. Ils sont assis là-bas en Vokada. Là, rien que la chaleur va les tuer. Les gens de Vokada, ils n'ont rien. Ngamba, tu n'as pas la machine à laver. Tu cherches... Ngamba, cherche quoi dans la laverie? Moi, la veuve. J'ai ma machine à laver. Regardez chez la veuve. Regardez chez la veuve. Regardez. Ouh, la veuve. Oh. La veuve. Oh. Veuve joyeuse de tous les temps. Veuve joyeuse de tous les temps. Regardez ici chez moi. Ngamba, tu cherches quoi dans Anti-Amougou. Anti-Amougou. Tu cherches quoi à la laverie? Tu cherches quoi dans la laverie, Ngamba? Donc, tu n'as pas la machine à laver chez toi. Et tronc d'arbre. Tronc d'arbre qui s'assoit. Tronc d'arbre. Tu es laide jusqu'à. On t'a doigté. Casse. Tronc d'arbre. Oh là là. Franchement, vous me faites pitié. Vous me faites de la pitié. Je vais fumer une cigarette. Oh, la veuve. Vraiment, tronc d'arbre me parle. Ngamba à quoi? Ngamba à quoi? Elle est pauvre. De quoi? Ngamba, une pauvre femme. Elle est où? Ma cigarette est où? Une pauvre femme. Mais Ngamba à quoi? Elle n'a rien. Elle est partie laver les habits à la laverie. Et tronc d'arbre. Donc Ngamba n'a pas la machine à laver, elle a dansé pour 10 ans. Donc de 10 ans, hein, la carte de séjour de 10 ans, elle a dansé ici sur Facebook. Eh, vraiment! Donc, c'est pour dire, c'est quoi qu'elle avait la nationalité? Non. Elle est comme moi, hein? Je suis veuve. J'aurai mes papiers déposés, ma nationalité. Misunga. Tu as créé le Misunga. Elle ne sait même pas préparer. Le Misunga qui n'est même pas bon. Ici, c'est le goût. Le goût. On parle. Elle parle, elle peut parler à qui? À moi là-bas, une pauvre veuve comme moi. Une pauvre veuve, je suis ici. Assurée. Je fais un bigot à mon premier ministre, papy de Longchamp. Oh, mon premier ministre, oh, papy de Longchamp. Papy de Longchamp, mon premier ministre. Il vient ici, il donne à boire aux femmes. Ici, au Nganda, il donne à boire. Papy de Longchamp, mon premier ministre. Vraiment, mais j'ai quelque chose à dire à papy de Longchamp. Papy Longchamp, tu restes toujours mon premier ministre.
restes toujours dans le gouvernement la joie. Je ne peux pas dire le... Tu restes toujours dans le gouvernement la joie. La joie. Mais tu me promets 1500 euros. À papillon. Hein? Tu l'as. Papy de Longchamp, tu es venu ici avec le poème de René Star. Hein? Tu es venu ici avec le poème de René Star de Lille. Est-ce que René Star et moi, c'est ma soeur Boulou? Je suis Warios. Je suis Warios. C'est ma soeur Boulou. Mais à René. René. Papy de Longchamp, il avait le droit de s'exprimer. Tu m'as menti ici, au gouvernement La Joie. Papy Longchamp vient parler. Papy Longchamp était soutenu avec René Stade, Tilapia de Lille. J'étais soutenu, Papy de Longchamp. Moi la veuve, tu es obligé, tu m'as promis 1500 euros. Que je vais te donner 1500 euros, je n'ai rien vu. Papy Longchamp, je ne déclenche pas. Tu restes toujours mon premier ministre. Mais est-ce que tu m'as donné? Est-ce que tu m'as donné mes 1500 euros que tu m'as promis? Je t'ai demandé quoi? Hein? Vous venez toujours ici là chez moi, la pauvre joyeuse, la pauvre veuve. Je n'ai rien. Je suis pauvre. Vous ne venez vous asseoir ici au gouvernement La Joie, ici au Nganda. C'est vous qui promettez que vous allez me donner. Après, vous ne me donnez pas. Vraiment, c'est une René Star de Lille. Eh bien, ça avait les tortues. René Star, ben, ça avait les tortues. Les serpents. C'est moi la veuve qui vous dit. Sous-sous-su. Même les chèvres, elle couche avec les chèvres. Emma, 10 euros. Je t'ai demandé quoi? J'étais ici là dans mon gouvernement, la joie. Tu viens ici que tu vas me trouver un blanc qui est riche. Tu as ta pama. Tu as ta pama. Ce n'est pas ton site que tu vas. Tu dis que l'agence matrimoniale. Alors que c'est Wanons. Ma, tu as ta part, Renesta. Tu m'as promis que tu vas me trouver un blanc qui est riche. Tu m'as mis à Wanons. Tu n'as pas honte. Jusqu'à tu es inscrit ta mère, elle travaille à Wanons. Les blancs m'ont dérangé, c'est les vieux blancs. Elle dit que ma, quelle agence matrimoniale? J'ai donné 20 euros. Elle prend 20 euros, Jean. Une fille qui couche même avec les fourmis. Les tortues, les chèvres. Elle est sur ça. Warios, Warios. Je suis fille Boulou. Yes. Onoza. Onoza. Onoje, Onoza. Lolo, Onoza. Lolo, c'est qui? Lolo, Onoza. C'est pas toi qui voulais, tu as dragué vos amontes en Belgique. Onoza. Tu t'assois. Non, mais attends. Tu es qui? Onoza. Ah, Lolo, Onoza. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Rate. Tu n'es que rate, Onoza. Rate. Mais attends. Les gens parlent, mais Lolo, les gens parlent, Lolo parle à qui? Inosa, c'est la dernière. La femme, elle connaît descendre, elle dit que les serpillères, c'est deux serpillères. C'est deux serpillères. Et Ngamba a respiré un peu. Lolo. Lolo, c'est qui? Une femme de plus de 50 ans. Elle s'assoit sur Facebook, je suis belle, mon père était. Ton père était quoi? Va faire ta part. Mon père était. Lolo, ne sait, on a déjà. On a. Lolo, c'est qui? On m'a acheté le terrain. Franchement, mais
Vraiment, les stars qui se collent avec toi. Moi, je suis pas les boulous, hein. Je suis avec ma soeur boulou, mais vraiment, aller te coller à Lolo comme ça, on nous a. Franchement, une fille qui a raté sa vie, rate. Une rate. Qui sonne chez moi? Qui sonne chez moi, alors, si? Qui sonne? Ah, attendez. Maman, j'aime pas le mot d'amis, hein. On nous a, c'est qui? Qui sonne chez moi? Ah. Oui, alors? Ah, d'accord. D'accord, très bien, merci beaucoup. 17, le nom c'est NK Magina Flore. Merci infiniment, vous êtes gentil. Merci monsieur, merci. Ah, c'est bien ça. Oui monsieur. Oui, vous avez vu? Ah, j'ouvre. Pardon, désolé, j'avais pas ouvert. Merci. Merci. Vous allez voir un nom africain là, Kenka Magina Flore. La boîte aux lettres. Merci. Oh, putain. Oui, monsieur. Merci infiniment. Meilleur vœu, mère aussi. On nous a. Oneza, hein, Onodje, moi je suis fille boulou. Oneza, hein, Lolo Oneza, rate, mais attends, tu en avais parlé aux gens, elle a quoi? Oneza, maman a sonné, Oneza, Lolo Oneza. On est Jay. Hein? Rate. Hein? Attends. Ouh. C'est tout ce que tu sais faire. Tu peux parler quoi encore? Fais la paix avec ta soeur Flore de Lille. Mafo, fais la soeur avec ta. Oui, vous dites que Mafo est venu chez moi. Vous dites que Mafo est venu chez moi casser ma porte. Oui, elle m'a donné la bouteille sur la tête. Ce n'est pas grave, mais je préfère avec elle. L'incassant, ne venez plus ici. Ma foi en direct. Et puis quoi? Allez sur son mur. Moi, ne me dicte pas, hein. Tantac, on ne me dicte pas. Ma foi en direct. Elle en direct, c'est son problème. Arrêtez, hein. Vous l'incassant. Elle en dirait. Ça fait quoi? C'est elle en dirait. J'ai mon mur. C'est le mur, c'est les murs qu'on paye. Hein? C'est les murs qu'on paye. Ma foi en dirait, allons là-bas. L'incassant. Vous êtes partout. Je n'ai pas de problème avec ma foi. Hein? Je la préfère. Qu'elle est venue casser ma tête. Que quelqu'un vient encore ici chez moi. Hein? Elle est venue, elle a tapé la bouteille sur ma tête. Oneza, oui, elle, j'accepte pour elle. Mais les autres, vous n'allez pas. Et encore qui? Elle a parlé encore de qui là? Nadège, je ne bats pas. Vraiment. Non, elle va commencer par qui là? Elle a parlé de la fortune. Vraiment, la fortune de Ngobi, une fille Betty. Je pensais que tu étais une fille Betty. Vraiment. Tu supplies quoi? Tu tournes partout, on te chasse. On te chasse partout, tu es toujours là. Tu n'as pas honte, tu souilles les Betty. Je croyais que tu étais une fille boulot, mais tu n'as pas la gnaque. Moi, je suis Wario, je suis une plage, je n'ai pas de team. Mais je terrasse.
je terrasse tout le monde. Tu n'as pas honte? Tu vas chez Ngossa. Oh, vraiment, je suis déçue, hein. Tu vas encore chez Ngossa. Une fille Ngossa, une fille qui n'a rien. Qui dort sur le pont. Tu vas chez Ngossa. On t'a vendu. Vraiment, je suis déçue, hein. Je ne vais pas te clasher, hein. Va chez Ngossa. Va chez Ngossa, c'est son essuie-tout. Ngossa. Regarde comment elle finit. Ngossa, c'est qui? Elle veut se comparer à Mafo. Ngossa ne sera jamais Mafo. Donc l'orteil de Mafo, elle ne vaut même pas Mafo, même l'orteil. C'est ces histoires qu'elle fait là. Avec ses ouh. T'es qu'à chienne. En avant, un big up à Warriors, c'est la meilleure clasheuse de 2020. Nous t'aimons, merci, je vous aime aussi. Aïe, 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 coco, agenté, cap. Coco, agenté, cabure, cabure, en avant. Le téléphone est ouvert. C'est un big up à la Warriors. Hein? La Warriors de tous les temps. Oui, la grand-mère de Nams. Et Namungoy. Et Nams. Et Namungoy. Eh oui, la Wapos. Eh oui, la Wapos. Appelez non. Bien, je coupe. Reine des étoiles. Attendez, ça crame là. Je n'ai pas piqué la main pour toi. Oh. Je vais piquer. Oui, oui, je suis là-haut. La Suisse. Vieille chouette, qu'est-ce que tu es belle. Eke, hey, attends, mon tonton d'amour. Hey, tu sais qu'il y a une émission pour les Koudjé. Hein? Non, il y a une émission pour les Koudjé, J'ai dit que maman, le goût de ça. Attends, passe-moi la personne là, c'est qui comme ça? Mon tonton chéri, c'est qui? Tu te rappelles pas de moi? Non, tu te rappelles pas de moi? L'Italie. Ah, c'est toi? Mais tu t'es tressé, putain, mais tu es belle, hein? Ah ouais, je pensais que tu étais un homme. Je pensais que tu étais un garçon. Oh! Ah, ben, je suis un garçon. Ben, je pensais que tu étais un homme, donc, ben, ouais. Mais vous êtes où là? Vous êtes à Lille? À Paris, je suis venu péter. Ah bon? Vraiment? En tout cas, meilleur, mais c'est qui là-bas, le gars là? C'est qui? C'est pas Ndemanou là-bas. Ndemanou, tu fais quoi avec les lesbiennes? Elle fait quoi avec les lesbiennes? C'est qui ça? C'est pas Ndemanou, c'est qui? C'est Ndemanou. Non, c'est pas Ndemanou, c'est ta meilleure amie. C'est pas Gisèle. Elle est bonne. Elle est bête. Elle dit qu'elle ne pète pas. Je ne pète pas, pardon. C'est comment vous êtes au secteur? Nous, au secteur. Attends, c'est le secteur. Non, toi, tu es allé là, non, tu es rentré. Elle a compris. Quelle confiance. Maman, vous suivez. Elle dit que vous êtes alors à quoi, à Facebook? Hein? Regarde, nous sommes dans un mapan qui n'a pas de nom. Maman, mon mariage ne donne pas. Hein. Et puis quand tu m'as dit que tu n'es pas moi, je comprends, non? Je fiche de personne. Maman m'a fait une émission spéciale. Oh, voilà, je suis en dire une émission spéciale pour les mouvoies et les poudjés. Les gens qui cherchent, envoyez votre demande. Mais le gars qui a été dans la zone, c'est qui, non?
quoi là-bas? N'est-ce pas qu'il avait dit qu'elle est hétéro? Attends, un peu, demande-moi, n'est-ce pas que tu es, comment on appelle là? Vous appelez quoi dans votre monde là, actif? Tu as dit que tu es actif, non? Un poisson brisé, c'est double sim, hein? Maman, vous avez votre star à Paris là qui veut ouvrir, elle veut prendre le brassard. Votre star de doigtage. Mon tonton, tu connais Sens, non? Sens. Comprends seulement Sens, maman. Sens a doigté le faisceau. Il dit que sans ça doit être même la grosse vache. Il dit que double pénétration de ça. Hé, maman. La douleur de ça. En tout cas, maman, je voulais vous dire que maman ne cassez pas seulement le lit des enfants de truie. Sans ça, Agnès, dans le... La chambre des enfants, que tu connais le genre que tu connais la tête. Tu connais les lits en étage, que hein? On dit que quand ça chicote, Agnès, alors l'autre. Tu vois la chambre des enfants, quand tu es couché, tu oublies, tu connais la tête sur le lit en étage. Quand la bosse qui était sur le visage de l'autre, là, que c'est Sens qui a. Oui, non, que c'est Sens qui a fait cogner ça. Misungano, tu ignores quoi? Dis-la, à moins que dis-la, Yembo. Hein? Il en a mis qui? Tu sais quoi, il avait donné le produit là, il a refusé. Je pense. Moi, je ne veux pas, je ne plais pas. Ah bon, elle te plaît pas? Je te jure, les produits, ça, les produits, je dis non. Ah bon? Maman m'a dit que le produit là à Paris, à Lombinda, avec tous les produits. Juste avant de faire le problème, tout ça. Tonton, tu sais que envoie moi le truc. Tu cherches qui? Magina Puritier. Magina Puritier, cela m'a faut. Il y a un produit qui vous salue, c'est mon tonton. Non, t'inquiète, tu connais pas. Tonton connaît tous les noms. Parce qu'il a son faux profil. C'est la seule qui connaît son faux profil. Et il a déjà un gars avec un faux profil. Ce qu'a enlevé dans le mariage avec un gars là. La fille était à moi. Bon, d'accord, là, je coupe. Non, c'est un coup de jet qui a enlevé une fille en mariage. Je connaissais. La fille était là. La fille était fan de la reine. Mais jusqu'à un coup de jet est venu. Les faux profils se draguent. Ce qu'ils se voient, ils font le mariage, maman. Comment on dit que les PD et les. Et les gays me suivent là, maman. Je suis là-bas. Apparemment, maman. Ça a tourné que... Oui? Oui, allô? Bonsoir. Pourquoi? Attends, tu pleures quoi? Attends, les filles me font rigoler. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Je pleure parce que je ne te vois pas. Mais tu ne me vois pas. Est-ce qu'on m'a attaché sur Facebook? Je pose avec la mafou. Viens poser avec la mafou. Maman, je suis amoureuse. C'est quoi cette bande de bien chouette là? Eh, mafou, laisse-nous comme ça. Toi-même, tu sais qu'on est déjà habitué à toi, on ne te voit pas. Il faut qu'on pleure, on te cherche. Non, pardon, moi je vous dis donc aujourd'hui, nous sommes en 2021, je vous dis donc que vous allez me voir qu'une fois par semaine sur Facebook. Ma faute, pardon, ne me fais pas ça, sinon mon mari va se moquer de moi. Ok, vous commencez okay, à cotiser, vous me donnez un salaire. En tout cas, bonne heureuse année, que merci. Dieu te donne longue vie, la santé, qui fasse que ton entreprise marche. Merci mon bébé, ouais, vraiment merci. Okay, bye bye, ma faute.
Bisous, mon bébé, bisous. J'ai dit, et donc deux jours sans Facebook, vous êtes devenu malheureux comme ça. Ok. Les gens m'appellent. Vraiment, moi j'ai ma vie. Hein. Ah, mon gars. Bonjour Lapinou. Bonjour mon nounous Lapinou. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, ça va et toi? Ouais, j'ai vu ton appel en absence. Non, ça c'est mon numéro, c'est pas mon numéro privé. Oui, allô? Oh, merci beaucoup, merci, merci. Bonne année à toi, meilleurs vœux, bonne santé. Merci beaucoup, papa. Merci, vraiment. Ça va aller. Ouais. Non, c'est fini. Hein. 2020, c'était 2020. Maintenant, on passe à 2021. C'est autre chose. Hein. Oui, c'est le business. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ouais. C'est ça, j'ai envie d'ouvrir soit un snack, tu vois, un beau snack bar ou un shopping. Ouais. Ouais. Ouais, le shopping, je pense même avec 50 bâtons, c'est possible. Même avec 50 millions, on peut. 50 millions, ça peut, hein. Oui, mais le snack bar, ça va être chaud pour toi parce que c'est un milieu comme. Je suis dans ça, tu vois. Ouais. Après, il te faut vraiment avoir quelqu'un qui est là, dans ce milieu, soit un peu bon, t'as un peu déjà l'eau, et là, on peut t'avoir n'importe comment. Parce que ouais. Là, si tu veux prendre les stylos, on te dit bonjour, tu essaies un peu d'être carré, tu vois, ça, tu viens. Oui, un truc comme ça, j'ouvre même, je ne suis même pas là, hein, je m'assois même pas. C'est comment les problèmes, la fille au Congo là, c'est comment? La fille du Congo là, c'est comment? Elle était partie, elle. Oui, je crois bien qu'elle était partie. Après, bon, je n'ai plus trop vu d'argent sur ça, mais elle était partie quand même. Elle était partie. Ouais, ils ont voulu nous saboter. Non, c'est n'importe quoi, Flo. Mais après, tu as vu, du succès avec ça, pourquoi? Parce que beaucoup de gens insultaient la fille dans la favorable, compresseur, tout ça. Tout le monde la déteste. Tu vois, actuellement, tout le monde la déteste à cause de cette histoire. Alors, tu as fait un très grand pas pour aider cette fille. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Les gens sont méchants, hein, mais bon, c'est la vie. Ouais. La jalousie, je te dis, alors que j'ai fait ça simplement pour pouvoir aider. J'ai souvent aidé les gens comme ça, hein, sans les connaître, tu vois, spontané. Mais j'ai compris que le monde est méchant. D'accord, papa. Mmh. Ouais, je te dis. En tout cas, mon père, je t'embrasse, non? Maman, il n'y a que les bons gars qui appellent. Oui, allô, papa, tu es mignon, hein? Bonjour. Oui, allô. Ah, bonne année. Meilleur vœu, mon frère, meilleur vœu. Waouh, merci. Ce n'est pas facile, hein. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Merci.
en vérité. Oh, oh, oh. Oui, allô. Oui, allô. Bonne année. Oui, je te souhaite bonne année. Je te souhaite des meilleurs vœux. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur te guide. J'ai essayé d'entrer en contact avec toi. Ah. Mais je n'arrivais pas à ma faute. Oui, non, c'est parce qu'en fait, quand ce numéro, je l'éteins après les lives. Si je fais une semaine sans faire le live, je fais une semaine sans décrocher, tu vois, sans regarder. Ah, d'accord, ma faute. Mmh. En fait, je t'appelais parce que je suis en Italie et je voudrais que tu me mettes en contact avec le monsieur qui venait d'appeler. Ah, le monsieur qui venait d'appeler, tu as quel âge? Bon, j'ai 36 ans. Tu as des enfants? Tu as des papiers? Oui. D'accord. Tu as combien d'enfants? J'en ai 4. Oh, 4. Je vais en parler, mais... Ouais, d'accord, je vais lui en parler, hein. D'accord, t'as mon numéro et puis je t'en ai patiemment, ma faute. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bien fort. Bisous. En vérité... Bisous, mon bébé. Oh, oh, oh. Ouh. Eh, mais je suis pour la gagne, l'amour. Ah 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 mon tonton Ali, je te fais des gros bisous mon tonton. Mon tonton. Profil, hein. Pour draguer les faux profils. Non, non, je ne suis pas faux profil, hein. Je ne suis pas caché. Maman, regarde comment tu es beau. Maman, le goût de ça. Attends un peu, attends, tu es pilote, tu es pilote. Non, je ne suis pas pilote. La photo, c'est qui? Mais c'est moi, non? Oui, mais tu es pilote, c'est la main, non? Gendarme en France ou au Cameroun? Mon numéro, c'est le numéro du Cameroun. L'embrancata truc du Cameroun, là. Tu as payé les NAMA combien pour passer le concours? Tu as payé à moche. En tout cas, bon, comme j'appelais, c'était pour te souhaiter une très très bonne année. Maman, imagine la pérouille, tu as le succès, hein?
Franchement. Et dire à Madeleine la petite que merci pour ce qu'elle sait et que je ne la remercie, que je ne lui remercierai, enfin que je ne la remercierai jamais assez. Elle a fait quoi pour toi? Je peux savoir, en tant que la mère des abeilles, en tant que celle qui les sponsor, qui les gouverne, je peux savoir? Un petit cadeau de Noël. Ha! Maman, les filles paient les hommes ici dehors comme ça. Non, je aussi. Non, je vais lui donner aussi. Oh. Non, donc elle t'a d'abord donné, après tu vas lui donner, je vais l'appeler. Tu sais que c'est ma fille, non? Non, comment dire? Enfin, même le président reconnaît que je suis le chouchou des abeilles. Je vais t'appeler tout à l'heure. Je l'ai vu au restaurant chez la doyenne et tout, et je suis allé vers lui pour lui dire que. Enfin, je l'ai vu en ligne, hein, dans un live. Donc tu es à Paris là? Et je suis allé le retrouver, c'est la doyenne. Tu es à Paris? Je suis affecté à Paname. On t'a affecté à Paname? Pardon, sois bien avec Magina, puis tu ne la blesses pas, s'il te plaît. Elle est fragile. On attend l'aide. Magina, tu me viens d'appeler Magina. En tout cas, bonne année. C'est mon nom qu'elle a pris, hein? C'est mon nom, oh! Tu crois que Magina, c'est le nom de qui? C'est Namanim! Les balayements font cela, je sais. D'accord, bébé. Je t'embrasse. Bisous. Maman, les gens tombent amoureux des faux profils, c'est ce cas. Moi, mais je suis la patronne. En vérité, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. En vérité. Tu peux connaître pas sa pétrie, c'est toi qui connais les boutiques. Toi qui connais pas sa pétrie, pour toi la vie n'a pas de valeur. Appelez, ouais, je coupe alors. Il est quelle heure? 17h. 17h seulement, vous êtes fatigué. La mi-temps. Imagine un petit maman, tu prends mon nom et on te drague avec mon nom. Jusqu'à le gars est même parti chez la doyenne te chercher. Avec les soins qui te l'a peu près. Vas-y, qu'avais-tu voir? Je n'ai pas besoin de me vanter. Les gars, c'est mon cas. Maman, les faux pour qui font les mariages ici dehors. Imagine un petit, c'est une bonne fille. En vérité, appelez. En vérité. Bonne année. Toi qui connais pas sa paix, mais c'est toi qui parles fleur de l'île. Toi qui connais pas sa paix, tu n'as pas de valeur. Donc vous n'appelez plus, maman est dormi. Maman est ok. Elle est ok. Toujours Nicolo. Coucou, décroche non. On te voit pas, c'est moi seul qui te vois. Ouais. Coucou. Ouais, je vais bien et toi, trésor. Merci. C'est trop chou. Ouais. En tout cas, tu as le bisou de toute ma famille. Ah bon? Oh, tu l'embrasses aussi très fort. Tu l'embrasses. Du côté de Poitiers. Waouh, merci. Merci beaucoup. Tu connais? Maman, 2022, là, je ne suis pas sûre de continuer. Hein. Je suis déjà découragée.
côté positif du travail. Hey, d'accord. D'accord, je vais continuer. Tu lèves comme ça, mais le côté bon, là, continue de travailler, continue d'aimer ta maman, continue d'aimer ta petite fille, ton fils, et puis voilà, c'est ça. Je dédicace cette chanson à toi, bébé. Merci. Je te dédicace cette chanson. Ah, merci. Et je dédicace cette chanson à tous les Kwanenge. Tous les voix. Tout ce temps. Elle s'appelle. Comment là? Elle s'appelle. Je ne donne pas le nom. Tout ce temps. Je vous montre qui c'est. Ouh yeah. Attends, je vous montre qui c'est. Je vous montre qui c'est. Je vous montre qui c'est. Yo nana, ah ah eh. Envoyez les cœurs. Hey, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Merci, ma populaire. Je ne vous oublie pas. Je ne vous juge pas, je vous dédicace. Je vous dédicace cette chanson, tous les Kwanenge et les voyons ensemble. Choisi, dis j'étais choisi, ah ouais, j'étais choisi. Moi faut pas moi, j'étais dédicace cette chanson. Les femmes qui enlèvent les femmes des gens, maman. Appelle-moi, pourquoi? Je veux pas voir avec toi. Ouh, la douceur de ça. Comme vous aimez dire que. On veut pas cette chanson par respect. Sodome et Gomorrhe, c'est ça, hein? Vous aimez entendre. Oh, Sodome et Gomorrhe. Ça me fait quoi? C'est mon problème là-bas. Ah, t'es choisi. Je t'ai choisi. Oui, allô? Allô? Oui? Bonne année. Bonne année, chérie. Attends, je baisse le volume de la musique, maman. C'est comment? Ça va et toi? Bien, ma puce. On dit quoi? Bonne année, mon bébé. Ouais, la télécommande. Elle dit qu'elle est chaude et blanche. Oh. Maman, les choses des blancs, là, la télécommande dérange. Oui, ma puce. Bonne année. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Merci à toi. Merci à toi, beaucoup de bonnes choses à toi. Ok. Ne change surtout pas, reste comme t'es. Merci ma puce. Merci. Merci, bonne année à toi, meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Merci. C'est trop belle. Love you. Love you too. You welcome. Bon, je vais vous laisser. Je m'en vais dormir. Franchement, je n'ai pas dormi cette nuit. Vous savez, depuis le 31, je fête. Depuis le 30. Je m'en vais dormir depuis le 30. Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir et bonne année. Bonne année.
Donc voilà, je vais un peu poser avec vous. Oui, bien sûr. D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Donc voilà, tu es camerounaise, je suis camerounais, mais moi je vis dans un autre pays d'Europe. Ce que je vais vous dire, vous paraissez une bonne personne, parce que bon, on se connaît pas, vous paraissez une bonne personne. Oui. Mais ce que je dis, dans le monde où vous êtes en train de faire tout cela, oh, je déteste, vous déteste pas, mais je déteste ce que vous êtes en train de faire, parce que vous devez être la maman, comme on vous appelle la mafo, oui. Des gens qui peuvent unir des gens, qui peuvent unir un monde. Donc, l'exemple vient de vous. Oui. Est-ce que vous m'écoutez bien? Donc, non, je vous écoute bien. Je n'ai pas envie de vous interrompre. Voilà. J'ai vraiment envie de vous voir tous, Camerounais, Camerounaises, former un seul point. D'accord. Ça me plairait beaucoup. Mm-hmm. Vraiment. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous êtes aimable partout. Vous êtes vu partout. Mais si, comme vous êtes la reine mère, vous faites ça, vous formez une royauté avec toutes tes sœurs et frères, ce sera encore plus bien. Vous aurez encore plus de tonus dans la vie. Mmh. Donc, c'est que mes sœurs ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Elles me détestent tellement qu'elles ne veulent pas. S'il y a quelqu'un pour faire les démarches, il n'y a pas de problème. Personne ne peut t'en vouloir. Personne ne peut te détester. Je prends un exemple que j'avais piqué dans l'un des directs de ta sœur confesseur. Elle avait dit dans un direct, cette fille n'est pas mauvaise. Elle l'aime juste pour le ça dit qu'on parle d'elle. Parce qu'elle est la première, que si elle te voit en route, que tu sois sa dictateur ou quoi, elle est la première à venir t'embrasser. Elle n'est pas mauvaise. J'ai retenu ça depuis deux jours là jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà. Là, il suffit seulement faire un premier pas comme maman. Donc tu n'es pas maman parce que tu es juste comme maman. Non, tu sais que je peux aussi être maman. Ça ne me dérange pas si maman, c'est pas. Au contraire, c'est un signe de respect. Tu comprends? Quand quelqu'un, même quand tu es en famille, que ta mère ou ta grand-mère t'appelle ma maman, c'est le respect, c'est parce qu'elle te considère maman, c'est que les gens interprètent mal. Si quelqu'un, si ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-frère te dit ouais à maman, ça ne veut pas dire que tu es vieille, c'est la considération en fait. Justement, les gens ne comprennent pas. Tu connais, je sais, je sais. Mm-hmm. Les gens ne comprennent pas. Maman, papa, même si tu as deux ans, t'appelles papa. Voilà. C'est un signe de respect. Quelqu'un qu'on aime bien, on ne peut pas l'appeler comme ça. Mm-hmm. Donc, j'aimerais vraiment, le jour que tu vas faire cela, toi-même, tu verras les étoiles. Non, tu sais qu'on a déjà fait la paix avec toutes mes soeurs là. C'est parce que tu ne connais pas le truc dès le début. À la base, ce n'est pas des personnes qu'on se connaît, tu vois. Vrai. Oui, oui. En fait, on ne se connaît pas, c'est sur les réseaux. C'est pas comme si on a été amis avant et l'amitié est finie. Ce sont des gens qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux, qui sont entrés. Et on a déjà eu à faire un premier pas de réconciliation. Après, ça a encore capoté. Chacun va avoir le pouvoir, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'on est bien comme ça. Moi, je dis juste que cette année, que chacun prenne conscience, que chacun vaille à ses occupations. On n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de se fréquenter, mais on est obligé de se respecter parce qu'à un moment donné, tu sais que c'est une histoire qui a tourné au tribalisme, c'est une histoire qui a tourné très mal. Tu vois, quand une fille te dit, même si elle a n'importe quel problème, elle dit à l'un de ses frères, amène-moi le son, je vais lui jeter. On sait très bien que le son, c'est quelque chose qui est mauvais. Même dans les blagues, on ne dit pas ça. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ça, c'est pas un truc que tu comprends un peu. Je comprends. Non, même dans les blagues, hein, parce que hein, même dans les blagues, tu comprends. C'est toujours pour effrayer, oui. Non, même si c'est pour effrayer, même dans les blagues, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tu comprends un peu? C'est parce que l'intention, il y a ce qu'on appelle l'intention derrière. Même dans les blagues, il y a des choses que tu ne peux pas dire. C'est vrai que, comme chez nous au Cameroun, tu peux dire à quelqu'un, moi je vais te faire. Oui, je vais te faire, c'est différent. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te faire, ça dépend avec quoi tu vas faire. Tu peux dire, je vais te faire. Même je vais te tuer, tu peux même dire, tu comprends, tu peux même dire à quelqu'un, je vais te tuer, tu vas voir, tu ne vas pas dormir cette nuit. Il y a les gens qui disent ça, même dans la colère, même dans les frères, même père, même mère. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des frères, même père, même que même en Europe, ils ne se disent pas bonjour. Tu es d'accord avec moi, non? Justement. Que quelqu'un, tu ramènes ton frère, il ne te dit pas bonjour. Parce que je pense que tu as la crainte de Dieu, non? Je pense que tu as la crainte de Dieu. Mm-hmm. Je pense très bien. Voilà, donc il ne faut pas croire. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. C'est vrai. Si quelqu'un a dit n'importe quoi et que toi tu dis, mon Dieu est là, il me soutient.
Tu sais, beaucoup de gens, les Africains, on est conscients qu'on prie beaucoup Dieu. Mais quand la mort vient, si quelqu'un te jette un poison là, ce n'est pas parce que tu as dit mon Dieu que ça ne va pas te prendre. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais justement, la personne ne veut pas aussi. La personne ne restera pas sur terre. Oui, mais tu seras déjà, tu seras déjà parti. Hein? Tu seras déjà mort. Et ta famille va souffrir, ton enfant, tes proches, tu comprends? On sait où on est, mais quand on meurt, on ne sait pas où on va. Tu comprends? Donc, je voulais juste te dire que si tu es en contact avec cette personne, il faut lui dire, nous sommes en 2020, chacun doit se concentrer dans ses choses. Tu comprends? On ne se connaît pas. Tu sais, l'union fait la force. Est-ce que tu es sûr qu'un jour, s'il arrive quelque chose de mauvais dans l'un ou l'une de tes détracteurs, tu ne pourras pas être là? Non, je vais être là. Je serai avec même la première à organiser. Je serai vraiment là. Vraiment. Voilà. Je peux pas te ça mentir. Va te faire mal. Ça va te faire assurément mal. Oui, oui, bien donc sûr. Déjà, tu peux faire, si tu fais un premier pas, moi, je te le dis et je suis sûr. Tu verras que le monde entier dira que non, celle-ci, je pense que c'est. C'est-à-dire, elle est en communication. Je connais les gens là, je ne peux même pas. Si tu effaces les douleurs. Tu effaces les douleurs, ma soeur. Non, tu sais, des fois dans la vie, je vais dire même en famille, mais entre amis. Regarde, moi, quand je vois ton numéro, tu es à l'étranger. Il y a des personnes qui t'ont blessé, il y a des personnes que tu as tendu la main, qui t'ont fait une, deux, trois fois, tu as aidé, tu as fait plein de trucs. Et les gens continuent à te blesser. Après, tu laisses tomber, tu comprends? Même si tu pries Dieu n'importe quel moment donné, quand tu vois que ta vie est déjà en danger, tu dis non. Chacun prend sa route, on n'a plus de problème. Mais chacun fait sa route, chacun fait son chemin. Bon, voilà. Mais déjà, quand par exemple, moi, comme moi, je suis le genre de quelqu'un, même si je suis, c'est-à-dire, j'ai des problèmes avec quelqu'un et que la personne, moi, je sais que peut-être lui n'a pas, moi, j'ai tort, lui n'a pas tort, ou bien la personne a tort, moi, j'ai pas tort. Moi, je demande toujours pardon. Même si on se salue, puis j'ai déjà effacé mes blessures. Mm-hmm. C'est comme ça la meilleure des choses. Non, j'ai compris, grand. Vraiment, j'ai compris. Moi, je le suis tous les jours. Oui. Mais rien ne m'avait tellement intéressé que ce que je suis en train de vouloir voir qui va venir dans cette année, la meilleure des choses. Donc, c'est pourquoi je pense que je t'ai déjà appelé. Voilà la deuxième fois dans la vie. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Vraiment, je te remercie pour ton... On va... Tu sais, c'est pas d'un seul côté. Il faut que les choses soient faites des deux côtés. Justement, tu comprends? Non, voilà. J'avais commencé, tu es peut-être la troisième que j'appelle. Hein, et c'est toujours les mêmes instructions. Oui. Voilà. Donc, sois tranquille. Que Dieu nous guide cette année, qu'il nous donne toutes les bénédictions et qu'il nous fasse évoluer dans tous les sens. Vraiment, avec tout ce qu'on a eu là. Et bonne année à toi. Hein. Merci. Avec tout ce qu'on a eu là, vraiment, meilleur vœu à toi, mon gars. Oui. Que le Seigneur te bénisse ainsi que toute ta famille. Merci, Père. Merci, amen. Merci, merci. Oh, Yanga. Oui, allô. Oui, bonjour, mon chou. Oui, bonjour. C'est la première fois que je fais la transmission et j'ai entendu monsieur tantôt parler là. Ouais. Et pour ma part, je vais dire oui, la paix est bonne, mais cependant, il faudrait que. Je vais dire ça comme. Qu'on arrête de faire comme si les gens souffrent d'amnésie. C'est-à-dire que quand l'autre dame du camp adverse a eu à mettre le téléphone pour faire insulter la mère d'autrui, pour moi, la mère est sacrée. Moi, même si c'est qu'il y a la paix, c'est bizarre, quand il a parlé là, tu sais, il y a des gens qui vont parler, c'est pas la première fois que je l'écoute, mais il n'a pas vu ça. Moi, j'ai jamais. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu depuis que je suis fait, vous m'avez vu mettre le téléphone pour qu'on insulte la mère de cette personne là? Jamais. Voilà, jamais, donc moi, il y a des gens que quand ils parlent, moi je les écoute, je respecte, mais je crois que ce sont des gens qui oublient très vite. Je ne veux même pas que ça revienne dans mes lives, je ne veux même pas. Que chacun fasse sa route. 2021, si je ne réponds à personne de ces gens-là, de ces nyama-nyama-là, s'il y a les grands clashs, les grands sujets, je vais m'intéresser parce que j'ai l'audimat, j'ai besoin d'être toujours là, tu comprends? Mais ces gens-là, c'est terminé. Voilà, c'est ce que je disais, que même si c'est qu'il y a la paix, que
chacun reste dans son coin. C'est l'hypocrisie, la voix. La ville est trop courte. Maman, pour que tu partes qu'on me tue. Tu entends quelqu'un qui te dit qu'elle va te jeter le son. Attends. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ma faut pas. Donc, continue tel que tu es. Ne change pas qui tu es parce que tu veux faire plaisir à X ou Y. Ok. Je suis restée quelques jours sans venir, n'est-ce pas? On m'a bien cherché, non? Je te dis, nous on t'a cherché fatigué, on a cherché, on a passé le temps à tiquer, parti chez la veuve, regarder tout là. Aujourd'hui, quand tu as annoncé que tu faisais le direct, on pouvait ne pas, je ne sais pas si c'est le direct, quoi. C'est quand même le premier direct de l'année. Mm-hmm. Et les solutions sont bonnes. Vraiment, reste focalisé sur des affaires. Continue de t'occuper de ta maman, de ton fils, de ta petite. Je pense que ce sont les seules personnes qui ne vont, qui ne te trahiront pas. Mm-hmm. Tu restes là. On a vu où ça mène. C'est plus à qui fait confiance. Du coup, oui, l'amitié m'a à distance. C'est ça. Moi, c'est ça. J'ai vu, non. Ouais. Mm-hmm. Ben, merci. Merci beaucoup. Oui, allô. Allô? 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 Il y a les noms que moi, personnellement, je veux plus que ça vienne. Hey, de la cour! Voilà, bonne année, ma personne. J'espère que tu vas bien. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup de bonnes choses. Vraiment, je suis contente de te voir. Et Samba, et Samba, et Samba. Maman, il y a les gars. Hein. Ok, il y a les gars, Allô? Oui? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur de Flore de Lille. Oui, c'est elle-même. Ok. Bonne fête, ma soeur. Bonne fête. Moi, c'est Adamo Diesel. Mm-hmm. Enchanté. Ok. Donc, je vous appelais pour vous dire bonne fête et bonne heureuse année 2021. Wow, merci. C'est bon dans la vie, que Dieu vous donne ça. Vraiment, je vous suis il y a très longtemps. Donc, moi, simplement, je voulais vous souhaiter mes meilleurs élèves, tout ce qui est bon, tout ce que vous faites. Franchement, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. C'était pour vous encourager, pour vous dire vraiment, continuez comme ça. Vraiment, souvent, je vous suis beaucoup. Tout ce que vous faites, ça me plaît, parce que vous êtes véridique et respectueuse, franchement. Et bonne continuation à vous. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Bon dimanche. C'était juste un peu ça. Que Dieu vous protège. Merci. Tu es là marié? Pas encore. Tu cherches encore. Et la belle photo sur le profil là, c'est qui? Menteur. Hein? Mugupang. Non, je ne suis pas marié. Mugupang. Tu es Mugupang. Mugupang. Non, je ne suis pas marié. Mugupang. Ça, c'est Mugupang ou bien? Maman, les Ivoiriens vont me tuer. Mugupang. Allô? Allô? Bonjour, maman. La belle dame, bonne année. La belle dame, bonne année. Abeille qui s'assume. Tu es loin, hein? Je suis loin de Dieu. Oui, arrête l'autre direct. Oui, arrête l'autre. Tu m'entends maintenant? Oui, on t'entend. J'ai mis le haut-parleur, hein? Allô, maman, tu m'entends? Oui, j'ai mis le haut-parleur. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Je voulais te souhaiter d'abord joyeux nouvel an et tout ça. Et continue dans tes thèmes, tu continues dans ton marché parce que tu es une fille que les gens croient qu'ils peuvent étouffer. Mais c'est Dieu qui élève. Amen. Tu as ta maman, comme je t'ai dit. Tu as ta maman Mahana, qui est plus important à toi que le reste. Tu as ton fils Chupi. Toutes ces alliances qu'on a fait, dit que ce n'est pas que tu détestes quelqu'un, que tu es en paix avec tout le monde, mais que chacun gère son couloir, maman. On te veut vivante que dans un cercle. Mais ce qu'on dit que
tout le monde va mourir là. Avant de mourir, si tu n'es pas là, il n'y a personne qui s'occupe, qui pendant soin, sur le téléphone, qui pendant soin de Mahana comme toi. Qui commande donc, le tarot là-bas, c'est dimanche. Il y a tous les gens qui donnent les leçons que Lionel, sur le téléphone. Je dis à tous ceux qui donnent, je dis à tous ceux-là que c'est vraiment gentil d'essayer de faire les premiers pas, de dire ceci. Mais quand vous êtes dans les directs et que les gens avancent des énormités, essayez de les appeler, mais après, même dans ces directs, allez leur dire que ça ne se fait pas, vous allez très loin. Pourquoi c'est toujours dans le direct de Flore que vous venez donner des instructions? C'est elle qui doit aller faire le premier pas, c'est elle qui doit aller faire ceci. Non, il faut une place. Tu as des abeilles, tu as des sympathisants. Tu n'as pas besoin de trop d'embouteillage. Donc, continue dans tes thèmes, ton commerce, tout se porte à merveille. Et je crois que on va continuer ensemble à faire ta publicité pour t'élever et non pour te faire descendre. Parce que si on voit, tu es la plus sacrée de la toile. Mais ça n'empêche que tu rayonnes. Si on met tout ça comme ton visage, je prie plus que tout. Parce qu'elle dort avec la haine. Quand tu dors avec la haine, tu n'es pas fraîche. Vraiment. Alors, que les gens te laissent. Et toute cette haine-là, ce n'est pas que ces filles-là me connaissent. On n'a jamais été amis, on ne se connaît pas. Mais bien sûr, elles ne te connaissent pas, mais. Moi, je n'ai même pas le courage. S'il n'y a que tes directs que je regarde avec pour voir juste. Parce que je n'ai pas le courage de supporter. Merde. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne supporte pas qu'on insulte ces personnes. Souvent, je merde. Dorme, j'aime mal. Quelqu'un va mettre le direct qu'on insulte ta mère et demain. Non, je ne peux pas. Vraiment. Ouais, tu sais quoi? Une mère, hein, il y a des gens qui s'en foutent de leurs parents. Parce que quand on parle de quelqu'un, ça. Non, je ne peux pas accepter. Ouais. Quelqu'un met le. Et cette femme qui appelle pour insulter les mamans des gens. Moi, je ne sais pas si ces personnes-là ont aussi des parents. C'est ça. Non, je ne peux pas. Imagine pour rien au monde. Non. Qu'une personne s'assoit dans une télévision nationale, c'est-à-dire qu'à Facebook, dans le monde entier, dit qu'on ramène le mensonge. Si c'est toi qui lances ce cri-là, c'est que toute la toile dit que oui, elle va tuer comme ça. Mais je ne vois pas les gens se lever. Hein. Je vous note ça. Je ne vois personne qui. Donc, c'est comme un jeu. C'est normal. Puisqu'on me dit que non, c'était seulement pour dire. Dans le monde entier. Et tout le monde suit, hein. De deux, quand on dit que ta maman fait ceci, aucune personne ne s'est indignée. Hein. Et dans tous les directs, ton nom est toujours en facteur, personne ne s'est indigné. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai ton direct pour Warriors, parce qu'au moins c'est Warriors. Dans la serpillère, pourquoi je parle de double sexe de la serpillère? Tu as été avec elle un jour. Il faut que les gens arrêtent un peu. Maman, je dis à maman, pourquoi je parle de double sexe de la serpillère? Parce que la serpillère parle de ma mère. Qui peut accepter? Parce que les gens pensent seulement que j'ai rendu la serpillère dépressive. Non, mais quand la serpillère dit que ma mère, pour rien, hein, j'ai dit à la serpillère que non, mais attends, tu imagines, tu oublies ce que je sais que tu es. Non. Écoute ce que je sais de te dire. Ça, c'est 2021. Reste dans ton coin. Tu as une place. Même les appels ne me croient pas parce que tu veux le composant. Je t'ai dit. Parce qu'on va t'en pour venir mettre aux yeux du monde entier. Je ne peux pas. Quand je dis à la serpillère que ton foulard Burberry et ta babouche, dans le dernier direct, je lui dis que ton foulard Burberry et ta babouche, ton foulard Burberry et ta babouche est toujours là où tu connais. Quelqu'un qui ne connaît pas que je de quelqu'un peut dire ça. Non. Bon, pourquoi je n'ai pas donné une autre marque? Mais j'ai dit ton foulard Burberry est où? Et ta babouche, c'est toujours où tu connais. Parce que les gens veulent toujours montrer que. Je ne vais même pas revenir dessus. Non, mais ce qui est sûr, c'est que même si nous on te dit souvent d'arrêter, c'est par rapport à toi. Mais tu as un cœur comme tout le monde. Quand ça te prend, ce n'est pas que tu sors des classes de ta vie. Si ça te prend de rebondre, tu rebonds. Si quelqu'un est scapot, tu rebonds. Mais en suivant ta logique, c'est-à-dire que tes produits. Parce que même celle qui t'insulte au Cameroun, quand la politique a fait de passer là. C'est une façon que tu l'insultes, tu l'aides de ça, elle te parle au Cameroun. Je t'ai point béni. Mais heureusement que tu es une fille intelligente. Parce que je ne vois pas comment un politicien se parvente dans tous les directs comme une petite fille. Elle est devenue une ridicule. Parce que, passant à cause de Bafo, elle est devenue l'amie des blogueuses à cause de Bafo. À cause de qui voulait donner les conseils à la population, n'importe quoi. J'ai dit que ces gens, ces politiciens-là nous ont trouvés ici, sur la toile avec toutes mes soeurs. Là. Tous ceux qui veulent faire l'appel avec ma faute, si vous ne voulez pas déconnecter, vous. Parce qu'on ne peut pas insulter en tirant la mère de ma faute. Vous voulez qu'elle vienne s'asseoir avec ces gens-là pour boire. C'est qu'elle n'aime pas sa mère. Qui peut faire ça? Qu'elle n'aime pas sa mère, là. Qui? Vous savez ce que c'est?
Quelqu'un m'a amené à Mbeng. Il y a les gens qu'on amène à Mbeng. Arrivé à Mbeng, la personne te dit puis c'est une lâcheté qu'on va te faire que oui, tu ailles t'asseoir. Je ne peux même pas, pour rien au monde, je ne peux même pas chercher la paix avec qui que ce soit. Je suis bien dans mon coin, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs. Si je veux faire la paix dans ma famille, je n'ai pas avec personne. Je n'ai problème que avec mon grand frère. Si je veux faire la paix, je fais la paix. Et puis même quand je dis... Même quand une personne fait le direct pour t'apprécier un peu, directement, on lapide la personne. Il y a une femme qui a fait le direct aux États-Unis, une autre a mis sur son mur, commencé à dire que tu l'as payé. Mais finalement, tu es devenu quoi? C'est ce que les gens doivent voir. Ah, car ce sont les gens qui cherchent la visibilité. Moi, je les emmerde, ces gens-là. Et je vous dis, ne venez pas mal. Parce que j'ai, même avec les coups de poing, je vous dis tout ça. Je ne suis pas un faux profil. Donc, ne venez pas mal sur mon mur. Parce que vous n'obligez pas les gens à aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on ne force pas. Et on ne force pas l'amour. On n'achète pas la sympathie des gens. Voilà. Mais c'est pas naturel. Si cette fille, on la supporte, on ne demande pas vos méga pour la supporter. Voilà. Les gens remarquent que les gens veulent faire le cirque. Quand on voit que tu supportes ma faute, soit on signe ton compte ou on t'insulte. Pardon, venez m'insulter. Même en famille, je hein. Un coup de poing, je suis prête. Mais je dis un prestige, prestige la classe. Est-ce que tu sais qu'il y a des familles qu'ils ne se parlent pas à cause de moi? Sans... Bien sûr. Oui, les gens se bagarrent en famille, dans les tontines. Même nous-mêmes qui sommes derrière, il y a des gens qui nous demandent si on a la cervelle. Nous, on ne vient pas derrière. Peut-être que tu viens pour acheter le nom ou bien pour attendre. Moi, je t'aime parce que ton histoire a été presque la mienne. Quand j'ai commencé mon business, c'était le même sabotage. Je reste toujours debout. Voilà. Mes abeilles sont donc, là. Il ne faut pas qu'on se lève un matin. Les gens que tu ne connais pas, que tu n'as même vécu, chacun se lève. Il y a un autre là-bas qui m'a allé, ça dit que tu as envoyé la belle. Il est là debout, il ne ressemble à rien. Que j'ai envoyé quoi, maman? N'importe quoi. Que j'ai envoyé quoi, maman? Quand on te voit de près, moi je t'ai vu de près. Tu as la chair, tu es une femme, tu as de la présence. C'est même pas ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux que oui, il y a des femmes. Parce que quand on te voit debout, oui, mais tu es vendable. Ce n'est pas, c'est pas des conneries. Non, je l'ai fait même peur. Tu sais que moi, je vais te dire un truc précise. Même dans les Nganda, les boîtes de nuit, quand j'arrive, il y a même mes détracteurs. Ils n'osent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'asseoir sur Facebook, m'insulter, mais ils n'osent pas venir en face. Parce que... Je dis vraiment qu'on suit dans ce temps. Tu as tes thèmes à faire. Tu as mal à t'occuper. Tu as ton fils choupi. Franchement, certains aboiements, là, si ce n'est pas important, ne regarde pas derrière. Avance. Il y a des gens qui disent des produits, c'est à cause de moi. Je fais ta partie. Et ça, so far, it's going good. Donc, ne regarde pas tout ça, c'est la gestion. Parce qu'on ne jette les pierres sur les bons produits. Parce que pour une seule personne, l'acharnement, une seule personne. Non, c'est parce que les gens s'acharnent. Tu sais, on a un président qui est au pouvoir depuis 40 ans. Les gens parlent de celui, ça lui fait quoi? Ça empêche qu'il soit là. Donc, que les gens aillent se faire voir, dis donc. Tu as vu comme je suis sorti là, chacun va venir parler. Mais que les gens ont souvent la quand tu t'es allé à Raquel, quand Brandon Mélanie a sorti le produit sur toi, mais on t'a fait un sabotage pas possible. Après, on a récupéré cette petite fille. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Aujourd'hui, ils sont où? Et ces mêmes gens aujourd'hui là veulent vendre les produits, veulent vendre, ben vraiment. Souvent, les gens ont la mémoire courte. Ma, c'est chacun qui dort. Comment on dit que tu fais ton lit, tu sais comment tu te couches. Quand la petite Radiane là. Quand j'ai eu des soucis avec elle, les gens ont récupéré pour dire qu'ils vont m'éteindre. Tu sais, quand tu vis là, est-ce que tu sais ce qui va se passer demain, non? Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des personnes que pour rien au monde, même le bon, je ne peux jamais les dire. Donc, vous pouvez aussi faire le commerce. D'autres disent qu'on n'est pas né pour faire le commerce. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire le commerce. On n'est pas né pour faire le commerce. Aujourd'hui, ils sont où? Maman, elle m'avait pissé. Parle aux abeilles, je ne vais pas pisser. Tu ne vends pas, tu n'es que calé dans le tu vas te faire le commerce là, c'est déjà lancé. Pas de retour, c'est lancé. Je dis que même ça ne va pas, tu vas vendre même l'eau glacée. Tu ne peux plus sortir du commerce, non. Tu n'es que calé sur ça. Et je voulais encore te dire bonne année. Mais quand tu beaucoup de projets, amour et tout, nous t'aimons bien, nous sommes de tout cœur avec toi. Sois élevé. Moi, c'est toi, Dieu. Bonne journée. Bye, ma faute. D'accord, ma, je suis allée pisser. Oh. Bye, ma faute. Bye, ma faute. Bye, maman, je suis allée pisser. Ok. Bye, Marco, bye. D'accord, maman, bye, bisous. Bye, oui, bisous. Et les histoires du village, tel est de tel village, tel est de telle tribu. Je vous emmerde.
Merde. Oui, allô? Bonjour, maman Fofo Adeline. Bonjour, chérie, ça va? Bonsoir, oui, bonsoir. Je suis une abeille sympathique, je suis tout mélangé. Je te suis depuis le mois où Aman. Hein? Je suis mariée, trois enfants. Mon mari me demande tout le temps ce que je fais dans le téléphone. Hein? Ok. Je suis Fofo Adeline. Il te demande carrément, le monsieur. Je voulais juste te dire à Floydeline, Floydeline, je t'ai toujours aimée. On raconte partout que tu as gâté la jeunesse. Je ne vois pas Floydeline a gâté la jeunesse. Ah, j'ai gâté la jeunesse. Au contraire, elle a donné les conseils aux gens. Floydeline, aujourd'hui, fait une vidéo. Les gens... On m'a délégué pour... Mais quand d'autres personnes font les vidéos... Quand d'autres personnes font les vidéos, on n'en parle pas. Il n'y a que Floyd. Quand elle sort, tout le monde en parle. Voilà. Tu as tout mon soutien, la Mafo. Merci, mon bébé. Je pense que la Mafo a une étoile. Elle a une étoile que personne ne comprend. Parce que chaque fois qu'elle sort, quand vous êtes sortis aujourd'hui, vous allez voir. Ouais. Les vidéos vont sortir de partout. Ils vont faire quoi? Ils ont quelque chose à faire d'abord. Moi, j'ai les enfants, je travaille plein de temps, mon mari travaille plein de temps, mais mes enfants, quand on dit que ma femme, même à mon mari, je me défends. Hein. Je dis à mon mari qu'au contraire, vous avez fait une entreprise, on dit que la maf est prostituée, maf est prostituée ouf. Toutes les prostituées, on ne parle pas nécessairement la maf. Les prostituées, c'est de maman, ils m'ont vu en train de vendre le piment, maman. C'est pas passé, je suis venue, il a dit que je ne juge personne. Les prostituées des États-Unis sont les grands stars. On parle d'elles. Pourquoi on ne peut pas valoriser notre mafo qui est camerounaise? Maman, que je suis d'abord une prostituée, mamie. On parle de l'autre. C'est surtout qui m'insulte. Que je suis d'abord une prostituée, maman. Quand il parle de prostitution, c'est quoi? Parle que la mafo ne parle. Qu'est-ce que de l'autre côté parle? Elle est même plus sauvage que la mafo. Elle n'a jamais vendu le piment, maman. Elle ne connaît même pas ce qu'on ne juge pas. Mon problème, c'est que je ne juge. On dit que les gays. Je ne juge pas les gays. Chacun est libre. On dit que les prostituées. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui vais dire qu'arrête de te mettre au poteau. Il y a des femmes qui sont plus sauvages sur les réseaux sociaux. Moi, on n'en parle pas. C'est toujours ma faute, Floydeline. C'est toujours Floydeline, partout Floydeline. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Ce qui m'amuse sur vous, c'est que quand on parle de moi, ne prenez pas mal. C'est parce que je suis la plus connue. Pourquoi on ne parle pas des autres comme on parle de moi? Ma femme, il y a une vidéo des femmes sur Facebook. C'est le mensonge. Si on met, ça fait quoi? Ils écartent d'abord quoi? Et tout se retombe sur Floydeline. Vraiment, Floydeline, quoi? Juste avec un cœur vraiment en fer. Parce que là, on s'en fout de... Parce que tout le monde, tout c'est ma faute. Tout le monde est contre une personne. Okay. Et ils sont là, ils disent que chacun a son camp. Il y a une là au Canada qui dit que voilà, elle est seule. Elle s'allie à tout le monde. Quoi. Tout le monde se bat contre Floydeline. C'est bizarre. Tout le monde se bat contre Floydeline. Tu parles de la chèvre, hein? Tu parles de... d'une certaine chèvre, bon sangui. Je suis derrière Floydeline juste à la gare. Tu parles d'une certaine chèvre, bon sangui, qui a raté sa vie, c'était vieille chouette, qui chausse sa pointure 50. Oui, elle dit tous les jours qu'elle est seule contre tout le monde. Elle est qu'elle seule. Qui la gère? Quand tu vois d'abord une vieille chouette, regarde comment elle est ici, elle me colle. Attends un peu, regarde le direct en même temps, je vais te montrer que je suis en direct. Il s'appaque. Attends, regarde-moi cette chienne. Attends, c'est qui? La chèvre n'a où? Non, maman. Mais la chèvre n'a où? Regardez. La chèvre qui me met le ventilateur. La chèvre n'a où? Je ne vois pas la mafo a gâté la jeunesse. Je ne vois pas mais, ce n'est pas cette chèvre qui me met le ventilateur. Regardez. Une femme qui me met les mamans. Mon garde du corps. La sécurité rapprochée de la PDG. Attendez un peu. Attendez, regardez un peu. Voilà le ventilateur. Voilà ça.
Voilà le ventilateur qu'une femme prend pour mettre une autre femme. Qui est amoureuse de qui? Maman, si j'ai refusé de sortir avec toi. Regardez. J'ai refusé de sortir avec toi. Merci, mon bébé. Regarde, merci, mon bébé. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Ma chère, vous, c'est qui? Mais en 2020, on peut parler des vieilles mères comme ça. Regardez. Et si tu étais même belle un peu, une gens sans go kill you. C'est quoi ça? Borosangi, Borosangi, Borosangi. N'importe quoi. C'est une bande de sputes là. En 2021, je ne vais pas parler des gros mots, des chiennes en chaleur, des petites putes. Borosangi. Miyanga, Unanga, on a de on a de Borosangi, je t'ai oublié. Njagwewe. Ingwes bijek. Angos pi. Ingwes bijek lete. We. Nyuki ingwes bijek lana. Eh? Aka. Inti bilo. Umboro nje bijek. Hala weki. Hala wela. We. Angos pi. Ye pula sinjebe. Ye pula sinjebe. Bijek ta me pula si ye. We. Ah oh. Me yom a. Inje bijek. Aka. Kinkebe. Kinkebe ni we. Nyuki ingwez bijek lana.
Nko benyu we. Woo, eh. Amange. Nko benyu. Ingwes bi jegle. Ntibisi lombai, imboro jebi jek. Ila beke joa. No. Tout de suite, bijek. Inje. Inyobie. Nko benyu. Tu ne pouvais même pas aller. Tu commences à ranger même. Que tu as rangé. C'est quoi la maison? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça, tu souffres. Tu souffres en ben. Comme Wario, tu n'as rien. Tu souffres en ben. Tu arrives là le premier jour. Tu as pris ou bien tu as escroqué qui? Pour aller acheter les quelques bouteilles de jus. Top jus là. Tu donnes là-bas. Le jus, c'est pas bon pour la santé. Tu tombes directement dans la nourriture. Maman, j'espère que l'année si haut, que tu vas me coller la paix. Comme tu t'accroches à moi pour avoir la stamania, la bonne année. Gospit. Meilleur vœu. Quand tu n'as pas de mon nom dans ta bouche, tu n'as pas de sujet. Mais alors, ouais, ah. Pardon, 2026, vends même quelque chose, non? Fais quelque chose de bon, tu te concentres. Tu cours au pays là-bas où la matière est conçue là-bas. Tu arrives, un ventilateur, tu ne peux même pas arranger. Pour une fois même, tu auras où ton chaud va te miasse. Hein? Chaud, yon, en fait, ouais, yon. En fait, ouais. Hein? Sur le matelas par terre, le sucre de ça. Papa, achète les hairs. Tu n'as pas donné, ne veux pas acheter les hairs. Donc, c'est maintenant qu'un tel est un kembayon. Quand pas achète les là, tu n'as jamais dit que la maison de la matelle. Non, non, et pas achète les gata. Tu ne peux pas dire que non. Tu vas t'asseoir là-bas. Quand tu arrives au pays, je dis que maman, je dis que c'est moi un jour. Ma côté, gosse pute, gosse chienne, maman, un jour du Cameroun, c'est moi. Tu es déjà que tu. Maman, pauvreté, c'est quelque chose. Gouemarin, télé, quand j'arrive au pays, je suis fraîche du premier jusqu'au dernier jour. Toi, tu as vu, quand je passe, on sent qu'une benguette. Toi, tu te mélanges aux gens de Mokolo, on sent que celle-ci, elle ne vient même pas de Mbeng. Fraîcheur, hé. Gouemarin, fraîcheur. Toyom. Hein? Toyom. Gouemé fraîcheur. Gouemé fraîcheur. T'avais Toyom. Non, non, koujoukoujou. Yenda. Labe yon dab yon yana poulasi. Avant d'aller au pays, yuki yon benda poulasi. D'abord, les 2020, mais yon dab yem. Mais yon dab yem ni bonge. Yon benda ble yon dab yon ni bonge. Boubou nkembay. Nkembay mon kinyon. Quel bon kinyon bay. Gwe toyom. Poulasi, gwe benda poulasi. Ike nyon bay bon ki. Hein? Quel bay bon kinyon. Poulasi, gwe benda. Mbay, gwe benda. Franchement, épitiation. Hein? En partant, quand il fallait que quelqu'un ni manouan. Quel ben yen ki. Yen bai, bo nyo bie nyo bai. Yorando ye vrovanga, nente ewe nyo. Quand tu m'as me vois, tu seras la première à sortir. Mais y charisme yem. Ygo le charisme, yen grenga. Ouwe mere yile, ygo be charisme. Noke? Ygo be charisme. Dépose. Les gens qui te montent là depuis des années, là, moi, ils mal. Comment tu finis? Yé ni le ini ki le de bisonja. Le bisonja. Tu dry seulement le bisonja. Le bisonja qu'on va aider à aider le bisonja. Qu'est-ce qui te. C'est quoi ta motivation? Motivation yon ye ki. Mais ibe we. Tabe wanda jem. Je ne sais pas. Tu cherches quoi derrière moi? Tu l'as baisé avec une fille qui était derrière moi. Mais je sais pas. Je vous ai laissé. Mais Olen, moi, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes. On ne s'est même jamais rencontrés, je ne sais pas. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Tu es dans les bars. Moi, tu es dans les bars du Soukouad. Moi, je suis dans les Sinac.
Mais là, il y a une bonne comparaison, ni ouais. Wario Sanjoa, où elle était. Il y a Wario. Il y a ses pieds, Wario. Non, ouais. Anjoa, où elle était. Il y a Mura. Il y a un peu de tu n'as pas le cœur, il y a bébé Bamura, benge. Tu ressembles à quoi, Toyom? Tu ne fais que sécher comme le Mintumba qu'on a séché en haut là, le foufou là. Tu sèches. J'espère que 2021, là, tu vas prendre les nouvelles résolutions. Tu vas suivre tes orphelins, tu vas faire quelque chose de bien. Je te souhaite une bonne année à toi. Vraiment. Que tu quittes derrière moi pour de bon. Je ne sais pas si j'étais charmé avec quelque chose. Mais tu vois, solam, solam, hein? Solam, solam. Come for me. Mais Ibe, tu cherches quoi derrière moi? Et t'as vu Wanda John? Mais Ibe, ouais. Je ne sais pas ce que tu cherches derrière moi. On ne s'est jamais croisé. Je ne sais pas tes soeurs. Je m'en fous de toi, de tout ton bataillon, tout ce qui s'entoure, puisque tu n'as personne. Non, gars. Mais tu es derrière moi. Mais Ibe, tu cherches quoi derrière moi? Je ne sais pas pourquoi. Même tes parents, les personnes qui ont dit que c'était tes parents qui t'entouraient, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Ibe. Donc, bonne année à toi. Bonne année à toi. On va aller sur la chèvre. La chèvre Borosang, une vieille chouette comme toi. Une vieille salacolée. Une vieille salacolée. Je ne sais pas ce que tu cherches derrière mon cul. Tu as été là. Tu étais là, te voici. La chèvre est où? Tu étais là. Me lapte. Me lapte, la chèvre du Canada. Sors derrière moi. Ça fait longtemps être esclave d'une femme comme toi. C'est quand même dégueulasse. Tu agresses même des personnes que je ne connais même pas. Moi, j'ai vu, tu savais, sur la fille d'actualité, des fois, tu vois les lives qui passent. Moi, j'ai vu une dame qui était en train de se plaindre que la chèvre l'a accusée et tout. Je ne connais même pas son nom. Elle doit être aux États-Unis. Soi-disant, elle est l'amie de mon ex-ami et tout et tout. Mon ex-copine, vous avez pris ma copine pour me combattre. Mais je vous ai laissé avec. Est-ce que les amis, c'est quoi? Ça part, ça vient. J'ai vu même une ancienne fille que j'ai appris. J'ai prouvé à Facebook comment on fait les ongles. Que les gens s'asseignent. Ils n'osent plus t'aller s'asseoir sur la fille des ongles de Paris. Je fais même sa pub. Quand on est une commerçante, ma chérie, je ne sais pas ce que je te dois. Quand tu étais déposée, t'es prêté 3 500 €. Mais c'est toi qui disais que je suis pauvre. C'est toi qui es parti te confier à l'époque comment tu ne me vois jamais avec un homme. Comment, si on ne me voit pas avec un homme, ça veut dire que, ah, elle est lesbienne. Pourquoi on ne la voit jamais avec un homme? C'est toi. Je venais à Paris, je dormais chez toi. Tu étais une amie. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans les directs derrière, a dit qu'il faut qu'on m'insulte. Si tu fais les ongles aujourd'hui, que les gens te connaissent, c'est grâce à moi. Tu ne m'enlèveras jamais. Ça dit que je serai ton phobie toute une vie. Pendant toute ta vie, je vais te hanter. C'est moi qui t'a fait connaître. Qui te connaissait? Tu faisais les ongles à Paris. Qui te connaissait? Aujourd'hui, tu vas permettre qu'une sapac s'asseye parce que tu es en train de poncer les ongles. Moi, je te payais. Tu ne me faisais pas gratuit. Tu permets qu'on parle de moi, même si toi et moi ne sommes plus amis. Mais j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je ne sais pas quelle église tu es. Je vais mettre ta vidéo où on te délivre à Lille, là. On te délivre avec un foulard sur la tête. Le prêtre, là, on l'appelle comment? On t'a délivré à Lille. Je vais mettre ça. Pour que vous allez voir à quel point les gens qui vont à l'église, comment ces gens-là qui vont à l'église sont vraiment mesquines. Vous comprenez? Waza, on l'appelle comment? Il y a un prêtre, il n'est plus là maintenant parce que comme il y a le confinement... Merde. Attends, on t'a délivré là-bas. Tu avais le foulard sur la tête. Tu viens t'asseoir parce que tu ponces les ongles d'une chienne. Tu permets qu'elle va parler de moi. Je te dois quoi? Mais moi, je comprends pas cette fille. Mais je comprends pas cette fille. Je lui ai fait quoi, en fait? Hein? Moi, je comprends pas la fille des ongles, là. Je lui ai fait quoi? Mais tu as fait l'amitié avec un gospute, si tu veux. La première fois qu'on a eu les problèmes, c'est toi. Elle a dit que tu es parti manger au poisson brisé. Tu as parlé de moi. Je n'ai jamais cru. Mais aujourd'hui, je crois. Une fille que j'ai respectée, hein, je lui ai prêté 3 500 €.
Je suis pauvre, mettez de mon argent 3500 euros sans intérêt. Tu m'as remboursé au bout de 2 mois. Tu t'assois parce que tu ponces les ongles. Ma chérie, je laisse mes ongles exprès. Parce que je ne veux pas... Tu sais, quand j'enlève là, je veux que ça respire. Tu ne m'as jamais fait gratuit. Je payais. Je faisais ta pub. Tu peux même payer la pub que j'ai faite pour tes ongles. Je dis que ici sur terre, tu vas payer. Moi, je te dis. Si je te dois quelque chose. Si je te dois quelque chose, toi, Nelly Linda. Si je te dois quelque chose, nous sommes en 2020. Je vais payer ce que je te dois. Si je ne te dois rien, tu vas payer. Tu ne peux pas accepter qu'on s'asseye, on parle de moi. Qui t'a fait connaître à Paris? C'est moi, non? Qui te connaissait? Tu t'assois parce que tu as te poncé les ongles. Je te jure sur ma mère qui est couchée là. Le jour qu'elle va te croiser face à face, je ne te manque pas. Je vais mettre le cutter dans ton ventre. Rien que je vais penser à ça. Tu sais, quand tu étais ami avec quelqu'un que tu considères et que la personne te fait les sales coups comme ça, tu as envie de lui mettre un coup de couteau, en fait. Son père est décédé, j'étais là-bas, malgré ce qu'on ne se parlait pas. Mais je ne comprends pas cette fille. Pourquoi elle est toujours là où on m'insulte, en fait? Moi, je ne comprends pas. Cette fille de Nelly Linda. Tu as dit que j'ai pris ton gars, que j'ai baisé avec ton gars. Quel gars, même? Ma sœur, c'était qui? Et puis, ton autre, l'autre gars, là. Et tout. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Pardon, allez lui demander ce que je lui ai fait. Allez demander, c'est elle qui est partie se confier que, hein, parce que j'ai traîné avec elle. J'étais son amie. Chaque fois qu'on sortait, que pas, quand un homme me draguait, tu vois, je faisais toujours genre que c'est elle qu'on doit. Donc, je ne voulais pas. Du coup, elle a une fois dit que je suis lesbienne parce que je refuse les hommes. Jusqu'à confirmer dans une vidéo qui est sortie chez Lolo là-bas qu'elle parlait en ligne. Comment, oui, sur ce sujet, elle est lesbienne. Oh, ma chère, c'est monté, c'est descendu. Une amie que tu vas chez elle, tu dors dans son lit. Vous dormez ensemble. Et que, même si je l'étais, est-ce que ça va sortir de sa bouche? Hein? Non, mais attendez, elle est toujours en train d'appeler les gens qui me connaissent. Moi, vous savez, hein, on est à Paris, c'est petit. Elle est toujours en train d'appeler, oh, ne passe pas dans le direct de Fleur de Lille. Elle est toujours, moi, je ne sais pas ce qu'elle cherche derrière moi, en fait. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que, cette fille me cherche quoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle me veut? Allez demander à Nelly Linda ce qu'elle me veut, en fait. S'il vous plaît. Demandez à cette fille ce qu'elle me veut. Nous sommes en 2021. Demandez-lui ce que je lui ai pris. Est-ce que si en train de chez elle, j'ai volé une aiguille? Qu'est-ce que je lui ai fait en dehors de la faire connaître? Elle voulait tout le temps me demander, donner les commandements. Hein? C'est une fille qui est brutale et qui bavarde beaucoup. Qui est toujours en train de vouloir saquer, toujours en train de vouloir et tout et tout. Mais qu'est-ce que je dois à cette fille? Tu fais les ongles, tu peux faire les ongles de qui tu veux, mais tu vas accepter que on s'assied. Moi, je connais mon nom sur Facebook. Fokwe Mami Mboma. Mam, voilà, Ngoy, tout ça. Je connais mon nom. Comme Alina dit qu'elle connaît son nom c'est Magazon, son nom c'est Arrache-Clou. Mais tu peux pas accepter que tu es une commerçante. Tu peux ne pas parler avec moi. Mais il y a tous les gens qui viendront. Et encore, il y a tous les gens qui viendront te se faire les ongles chez toi qui me connaissent. Tu n'as pas besoin, tu ne dois même pas accepter que quelqu'un prononce mon nom, en fait. Quand l'amitié finit, ce n'est pas la guerre. Pourquoi tu vas accepter? Tu étais en Suisse, c'est comme ça que tu es sur des vidéos, tu te pavanais et tout. Quand tu fais ça, ça me tensionne jusqu'à peut mourir. Ce n'est pas que tu regardes, hein, mais... Vous savez, on est sur les réseaux sociaux. Hein. Des fois, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir. Ça va atterrir sur ton mur. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait à cette fille. Demandez-lui. Demandez à cette fille ce que je lui ai fait, en dehors que j'étais énervée, que tu écoutes une fille qu'on a enregistrée. Elle sait que, elle savait que Lolo, c'était mon ennemi numéro 2. Hein? Mais ça ne l'a pas empêché, c'est comment, non? Oui, allô? Oui? Ouais. Oui? Oui, tu voulais parler de quoi, mon bébé? Non, je ne veux pas qu'on parle d'elle. Pardon, des gens comme ça, s'il te plaît. D'accord, mon bébé. Je ne veux pas qu'on parle des détracteurs. Ce n'est pas leur direct, c'est la fin d'année. Je veux qu'on les oublie. Il n'y a que moi qui ai le droit. D'accord, mon cœur. Merci, bébé. Bonne année. Hein. Ouais. Est-ce que vous trouvez normal que Nelly Linda, quelqu'un va s'asseoir, mon ennemi s'assoit sur elle?
pendant qu'elle fait les ongles, elle permet qu'on doit parler de moi. Non, mais je vous demande de vous à moi. Cette fille, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut, en fait? Pourquoi elle est toujours en train de parler de moi? Je lui ai fait quoi? C'est elle qui a dit comment je suis pauvre, comment je suis lesbienne. Alors que quand j'étais chez elle, c'est moi qui disais que va coucher avec ton mari. Il y avait des jours qu'elle ne voulait pas. Je lui ai dit que non, mais attends, tu peux être avec un homme, tu n'as pas envie de baiser avec. C'est moi qui l'ai, je lui ai dit que non, mais va coucher avec son ex-gars. Elle parle que quoi là? Quelqu'un qui va à l'église, j'ai sa vidéo où on la délivre. Pourquoi elle est toujours avec mes ennemis en fait? Non, mais j'avais envie de dire ça pour que ça sorte de mon cœur. J'avais envie de le dire. Pour que ça sorte de mon cœur. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Elle part en Suisse, elle parle de moi. Partout, je ne sais pas les gens là qui l'ont accusé qu'elle a volé le portable. Qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce qu'on allait baiser le même homme? Tu as dit que je suis lesbienne. Pourquoi maintenant tu vas croire que... Alors que toi-même, tu es quoi en fait? Tu es double cible, tu es quoi? Triple cible. Moi, je connais une Koudjé qui te baise, qui t'avait droité là-bas à machin. Tu parles de quoi? Une femme qui était... Elle accepte qu'on parle de moi. Elle! Non, mais vous ne pouvez pas accepter quand même ça. Regardez celle des États-Unis là. Vous avez déjà vu qu'elle est que quand on parle de moi, elle va éviter, non? Elle, la Marie, la Rose, là. Quand elle est quelque part qu'on veut parler de moi, elle évite, non? Est-ce que vous voyez qu'elle va trop vouloir... Elle oublie mon sujet. Elle oublie. Elle ne veut même pas que ça vienne que... En passant, meilleur vœu à elle. Avec son nouveau gars. Mm-hmm. Mais pourquoi tu ne peux pas éviter? Les gens, quelqu'un vient faire les ongles, veut parler de moi. Évite-moi. Tu oublies ce qu'on a partagé ensemble. Quand j'étais chez, je venais à Paris, je faisais le ménage, je faisais les beignets, je faisais ceci, je faisais ceci. Qui est plus congolais que toi à Paris? C'est toi. Je venais à Paris, je te dis que va dans la chambre, baise avec ton gars, tu couches avec ton gars devant moi. Tu as oublié ça? Que moi j'étais là comme ça, c'était le studio. J'ai dit que va, j'ai envie que tu fasses l'amour avec ton homme. Tu fais ton, tu entres dans la chambre, tu fais l'amour avec ton homme. Je suis assise. Quand tu finis, tu passes devant moi sans caleçon. J'ai fini avec. Je dis ok, c'était bien, non? Tu passes. Tu ne peux pas. Quand tu t'assois avec ces gens-là, il faut les parler dans les choses-là. Que elle m'a souvent dit de baiser avec mon homme et ton homme connaît. Que elle m'a souvent dit que oui, va coucher avec ton homme et tout. Tu ne parles pas ça. Vous aimez seulement ce qui vous a. Donc, c'est tout ce qui t'a intéressé, c'est de dire qu'elle est double sim, elle est bisexuelle. Si je suis bisexuelle, c'est ça qui me masse. Non, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est toujours là où on parle de moi, en fait. Mais quelqu'un entre toi, tu fais les ongles, elle parle de moi, tu dis que non, je ne veux pas qu'on parle. Tu parles même fort que tout le monde écoute, je ne veux pas que tu parles d'elle ici. Non, mais attends, qui l'a fait connaître? Mes chers frères et sœurs, pourquoi l'Africain oublie aussi vite? Hein? Mais quand je vois ce que cette fille, la façon que cette fille a une haine contre moi, je peux me suicider. Je suis partie en Allemagne avec elle. Elle prend un taxi, elle ne connaît même pas les gens. Elle commence à parler de moi. Hein? Aujourd'hui, elle est venue avec amis comme ça, avec la fille qui m'a porté plainte pour mon nom. C'est moi qui les ai mis en contact. Vous voyez comment les gens sont? Elle est devenue amie comme ça avec la fille là. L'autre chienne là. Hein? C'est moi qui les mets en contact. Elles ont voulu baiser le même homme ensemble. C'est moi que un producteur, un grand producteur milliardaire avait contacté que Flore, j'ai envie que tu me donnes une fille, je vais la gnasse. Il fallait voir comment elle courait. Ils ont discuté même, le gars. Quand elle parle de moi, ils oublient que moi, je les ai séparés dans une histoire de cul. Maintenant, ils sont amis comme ça, ils disent qu'ils vont à l'église. Les gens qui vont à l'église, moi j'ai une vidéo d'elle où on la délivre à Lille. Elle a mis le foulard sur la tête, on a fait la délivrance. Mais ça n'a pas empêché que l'autre jour, quand Gospit va s'asseoir dans son salon pour parler de moi, elle continue à valider parce qu'elle scie les ongles. Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu me veux? Tu oublies tout ce qu'on a partagé ensemble. Tu es la première à dire comment? C'est que... En fait, hein, moi, je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup de mes copines, là, filles, là, les faits que les gens, les ragots courent que je suis bisexuelle, je suis lesbienne, tout ça, ça les excite, en fait. Tu vois, elles aimeraient que je fasse un truc avec eux. Mais ce qu'elles oublient, c'est que je ne suis pas comme ça.
Je suis une fille vicieuse. Quand je racontais souvent des trucs avec mes amis, mes copines avec qui j'ai traîné, quand je disais souvent mes copines, ma co, je parlais souvent à une de mes amies là. Je lui disais souvent que ma co, tu sais comment, non, tu n'as pas mis à ton gars. Ceux qui disent que oui, je reviens, tu avais des histoires de fesses, j'assume, c'est mon problème. Tu reviens avec des histoires de baise, c'est mon problème, non. Si ça vous regarde en quoi? Hein? J'avais une amie comme ça, que je disais toujours à ma copine là d'aller faire l'amour avec son mari. Tout avec mes amis, mes copines avec qui j'ai traîné, quand je disais soit mes copines, ma co, je parlais soit avec mes amis. Hmm? Non, c'est elle qui l'a pris. Attends, faut faire la paix. Non, moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas. Et c'est quand même incroyable. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi. Non, mais moi, je ne comprends pas. Moi, ça m'a fait mal de voir Ngospit assise là-bas en train de parler de moi. Qu'elle a laissé faire. Tu comprends? Quelqu'un d'autre va te dire, non, maman, je suis ici dans mon commerce. Puisque mes ennemis parlent là-bas, les détracteurs, tout le monde parle là-bas. C'est une personne qui connaît son travail. Ça, il faut le croire. Elle s'est fait son travail, mais elle ne va pas permettre que... Non, il ne faut pas mélanger. Quand on a un commerce, hein, comme un restaurant, à un moment, les gens de Paris ne voulaient pas entrer dans ça, que je suis du camp. Quand on a le commerce, on n'est pas le camp de personne. On est le camp de tout le monde. Oui, quand on a le commerce, on est du camp de tout le monde. Quand, moi, j'ai l'impression que vous pavanez souvent parce que vous avez envie de vous faire voir par moi. Mais moi, je ne vous regarde même pas. Je suis fatiguée. Vraiment. Je ne comprends pas. Hein. Mais quand l'amitié finit, ça devient quoi? Le aide-moi à détester, c'est quoi? Parce qu'une personne avec qui tu ne connais pas, c'est différent. Mais une personne avec qui tu as mangé. Bonjour, Flo, c'est moi à... qui vient d'appeler avec le téléphone de ma soeur. J'ai vraiment besoin de causer avec toi. Je suis un blogueur aussi, mais pas trop connu. Je sensibilise les gens contre les voyages clandestins, surtout la mer Méditerranée. Je suis au Maroc. Je travaille aussi avec la PDG des bureaux canadiens, José, pour son projet d'immigration canadienne. Donc, je voudrais que tu partages souvent mes directs. Comme ça, je vais vous fabriquer et demain, vous vous retournez contre moi. Je ne partage plus les directs des gens. Comme ça que je fais toujours connaître les gens. Après, ça redevient que c'est toujours moi que ça prend. Non. 2021, ce n'est plus ça. C'est Samy Diko ici. Je vais vous laisser. Je vais me coucher. Pardon, j'ai trop bu là. Je me sens pas bien. Bisous à... Oh là là. Non, je ne partage plus les directs de personne. Fais la paix avec Marie Larose. Elle t'aime beaucoup. Elle a peur que tu n'auras plus son temps. Marie Larose, c'est ma soeur. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Vous savez très bien. Oui, allô. Bonsoir, trésor. Bonne année. D'accord, je vais mettre le parleur. Oui. Ouais. Oui, bon, voilà, je voulais vous dire que vous êtes une personne que j'admire beaucoup. Vous êtes une blogueuse, c'est vrai. Bon, il y a vous faites des clashs. C'est vrai que parfois ça fait mal. Il y a des flèches, des mauvaises flèches et tout. Moi, je vous admire beaucoup. Vous êtes une femme bien, au grand cœur. Et malgré tout ce que vous avez dans la lutte que vous avez dans entre vous les blogueuses, voilà. Moi, je voulais juste vous dire quoi que. Je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails. Moi, je voulais juste vous dire d'essayer de faire table rase sur tout ce qui s'est passé l'année dernière. Vous voyez, c'était une année très, très difficile. Ouais.
Et voilà, essayez de faire table rase. Vous avez demandé pardon, vous êtes demandé des pardons de gauche à droite. Moi, je sais que ces pardons sont sincères. Hein. Je sais que ce n'est pas des pardons hypocrites. Voilà. Moi, je ne connais pas l'hypocrisie. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit. Après, dis pardon à quelqu'un, ne veut pas dire que vous êtes amis, puisqu'on ne se connaît même pas à la base. Tu ignores que dans les familles, parfois, tu peux faire un an, tu parles par ta propre mère. Donc, les gens me fichent un peu la paix. Tu comprends? Des fois, même ton propre frère, ta propre soeur, tu ne parles pas avec. Hein. Oui. Donc, pourquoi combien de fois les gens de Facebook... Bah oui, moi, ça fait des années que je ne parle pas avec mes frères. Donc, de ça, c'est dans n'importe. C'est pour ça que je vous dis, quand on essaie de faire un meilleur coup de pain, on s'est dit, voilà, la vie, c'est rien. Vous voyez, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien. S'il y a eu des clashs, peut-être vous êtes blessé. Pardon, vous ne vous connaissez pas. Mais à travers des clashs, vous êtes blessé, vous vous êtes fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est par rapport à ça que je parle, quoi. Mm-hmm. Donc, dans les clashs, ça a dû blesser tel ou tel autre. Et vous êtes demandé pardon. Acceptez ces pardons-là au fond de vous, hein, voilà. Mm-hmm. Et voilà, je voyais avec Tata Aline, je ne sais pas, vous avez voulu aller assister. Elle a dit qu'on l'appelle plus Tata Aline, parce que vous voyez que moi, je vais me déplacer pour aller au Cameroun parce qu'il faut aller assister, que je n'ai rien à faire. Oui. Voilà. Les gens donc, n'ont pas beaucoup compris que moi, je faisais ça comme... Je l'aidais plutôt à faire un peu ça comme, hein, à lui lancer, tu comprends? Donc, Oui, je comprends. Moi, c'est pour ça que moi, je lui dis que vraiment, je sais, je vous suis, hein. Je vous suis, donc j'essaie de voir vos lives et tout, voilà. Et je ne sais pas l'autre, je ne sais pas quels sont vos problèmes avec Perpétu, je ne connais pas, mais je vois juste, c'est des trucs aussi sur la toile, là, vous voyez, quand ça arrive sur votre téléphone, vous regardez, vous écoutez, voilà. Donc, comme je vous ai dit, ma chérie, ça ne sert à rien, maman, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Tout ça, essayez de faire table rase, même Perpétu, ça ne sert à rien, maman. Et la guerre, ça va... Moi, il y a les gens qui ne veulent même pas leur nom sur mon truc. Moi, je ne la connais pas, hein. Les autres, la seule personne qu'on était amie, c'est Marie la Rose. Donc, moi, le reste, là, vraiment, maman. Maman, c'est l'année. Moi, je t'ai dit que même dans la famille, comme tu as dit, il y a tes frères, tu ne parles pas avec eux. Il n'y a personne qui va te forcer à faire la paix, d'accord? Combien de fois une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève en Europe sur Facebook? Donc, je ne veux plus son nom dans mon direct. Parce que moi, je ne mets pas le direct pour qu'on insulte sa mère, sa famille. Je ne veux pas. Vraiment, sincèrement. 2021, là, je ne veux pas quelqu'un. Oui, je ne veux pas moi. Vraiment, sincèrement, je ne veux pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, oui, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Elle est venue sur Facebook comme les autres personnes. Donc, vraiment, sincèrement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, ce n'est pas quelqu'un que je veux encore que son nom doit figurer quand je fais un truc. Je ne veux pas. Non, moi, je ne veux pas que ça figure. Moi, c'est juste en parenthèse. Vous voyez? Parce que l'autre jour, j'ai suivi comment vous étiez en train de parler dans le direct de Aline. Je ne sais pas, elle ne veut pas qu'on l'appelle Tata Aline. Donc, vous étiez un peu en colère. C'est pour ça que moi, si je fais allusion à elle, vous voyez, c'est pour vous balayer tout ça. Vous voyez, la vie, c'est rien. Vous avez vu qu'est-ce qui nous est arrivé en 2020. Et on ne s'entendait pas à ça. Est-ce que vous avez bien vu tout ce qui est arrivé? Ça, même si vous étiez plus fort que quoi, vous avez vu ce que le Covid a fait. Donc, c'est pour ça, moi, je vous parle. Je ne suis pas là dans les intrigues. Maman, lavez vos cœurs. Ça ne sert à rien, maman. Même Perpétu, c'est votre sœur. Il peut arriver, comme on l'a dit. Moi, je vous dis, ça fait peut-être 3-4 ans. Je ne parle pas avec mes propres frères. Hein. Je jure sur l'éternel, maman. Mais je sais qu'on va s'arranger. C'est mon sang. Vous allez vous arranger parce que c'est la famille, c'est ton sang. Oui. Maintenant, les personnes que tu ne connais ni d'Adam ni VDF, tu comprends un peu? Ma, oui, on est en 2021, quelqu'un qui m'est toxique, même si c'est ma propre mère qui m'est toxique, je ne parle pas avec, j'ai décidé comme ça. Tu sais, une nouvelle année, chacun prend les résolutions. Mais tout ça. Mais enlève la haine. Je ne suis pas haineuse et tout le monde le sait. Parce que si j'étais haineuse, Emma, tout le monde sait que je ne suis pas haineuse et les gens ont vu. Parce que si j'étais haineuse, voilà. Je sais que vous êtes impulsive, moi je suis un peu comme moi, que quand je réagis très mal. Mais je ne suis pas méchante au fond de moi. Mais quand j'ai réagi, quand je suis énervée, je fais tout comme vous là. Comme j'ai vu comment vous avez fait à Chantal là. Parce que vous étiez tellement en colère qu'elle vous a fait du mal. Et vous avez tout. Parce que quelqu'un, tu restes que quand la personne vient l'insulter ta mère, mon frère. Non, c'est pour ça que je vous dis, je suis exactement comme vous, le caractère que vous avez là. Moi, j'ai un grand cœur. Mais ne me provoque pas. Parce que si tu me provoques, je vais te faire saler mal. Et après, tu auras encore mal.
Et c'est comme ça que vous êtes. Je sais que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Donc, ce n'est pas, quand vous avez fait ça, c'était pas, c'était pour dans le but de vous défendre. Parce que vous avez aussi été attaqué au fond de vous, qu'on insulte votre mère. Et c'est normal, toi, tu peux pas venir, je suis ma mère, mon frère, tu es ma mère, je te laisse. Non, maman. Mais je dis, balayez tout ça. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Maman perdu. Vous n'êtes pas parti, vous n'avez rien. Mais balayez. Laissez la guerre. Mais quand tu te parles même de guerre, Mara, quand tu parles de guerre, c'est la guerre de quoi? Quand tu vois mes directs, excuse-moi, je vais pas, je vais enlever le haut-parleur. Quand tu dis que balayer la guerre, Mara, quand tu vois mes directs, tu me vois trop que je m'attarde sur elle. Alors, quand tu dis la guerre, moi, non. Ma chérie, tu sais, quelqu'un qui te dit que va chercher le son, je vais faire si moi, je ne veux pas son nom dans mes trucs. Pas parce que j'ai peur d'elle, je ne veux... Maman, pardon, tu vas m'excuser, ma meilleure vœu. Tu comprends, non? On fait la bouche, moi, on fait pas la bouche avec tout. Vraiment, je t'embrasse très fort. Bonne année à toi. Non, ma, je ne veux pas. Il y a des personnes que tu ne veux même pas même les sentir leur odeur. Je t'ai dit que dans la famille, il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Et tu as décidé comme ça. Parce que c'est toi qui connais ce que la personne t'a fait. Hein? C'est ça. Je vais même couper même le direct là, vraiment. Oui, allô? Merde, les gens sont toujours là. Oui, oui. Bonne année ma chérie. Ah, bonne année, je vais me coucher. J'ai mal à la tête même. J'ai bu un truc là, j'ai bu un vin sucré là. Ça m'embête un peu. Ouais. Je te dis. Non, je veux pas, pardon, je veux pas de dernière l'année, sinon je ne veux même pas. Vraiment, je dis que l'être humain. Je vais même éteindre le truc là parce que j'ai mal à la tête en fait. J'ai mal à la tête. Les lunettes aussi me font mal parce que j'ai mal aux yeux. Non, je ne veux même pas, pardon, que les gens m'excusent. D'accord. Oh, j'ai même pas. Vraiment. Merci. Vraiment, que chacun reste dans son coin. Ils ont détourné ma copine, tourné de gauche à droite. Cette année, elle avait elle. Tout ça parce qu'elle veut se faire voir devant moi. 1, 2, 3, tu vas la voir avec elle. Demain, on la tourne comme on veut. Une grande dame qui se bat. J'ai même mal à la tête. Je vais me coucher. Mon gars m'attend. Mon gars m'attend. Oui, allô? Oui. Oui, allô. Oui, j'entends, oui, je t'entends. C'est parce qu'il y a quelqu'un en ligne là. Attends, je coupe la personne. Ouais, attends, je vais couper la personne. J'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête. Hein. Bon. Demande d'aller faire la paix avec qu'on emploie. Moi, je sais, ils ont là organisé leur plan. Vous croyez que faire la paix avec quelqu'un veut dire que vous allez rester là, parler avec la personne. En tout cas, merci. Meilleurs vœux encore à tous. Et puis, comme je vous ai dit, 2021, ce n'est pas une année où vous allez trop me voir sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait le... J'ai fait l'essai, vous avez vu. 2021, je ne serai pas trop sur Facebook. Parce que c'est un choix. Je ne veux pas. Et je ne suis plus les parler trop des gens. Je ne suis plus sur trop ça. Oui, allô? Bonjour, maman.
bonne amie. Non, je vais couper même pas. Donc, déjà, oui, je suis fatiguée. Je sens pas trop bien. Je vais couper, maman. Bisous. Ouais, je coupe. Je vais m'allonger dans ma chambre parce que les gens commencent à m'énerver. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours en train de détourner. Vous venez me parler des gens ici, là. Est-ce que moi, je fais mon direct pour parler de quelqu'un? Hein? Là, alors, vous tapez 2 semaines, vous ne me voyez pas. C'est tout. Je vais taper 2 semaines, vous ne me voyez pas. C'est tout. Même si on jacquard, je ne gère pas. C'est quoi? Quelqu'un fait le direct pour vous dire que je vais bien, je me porte bien. Non, il faut toujours que vous commencez à me... Non, pardon. J'ai mal à la tête parce que déjà, j'ai mal aux yeux. Mais quelle heure même. Oui. Oui. Ouais. Oui, ça va? Ah, thank you. Happy for you. Happy for you. Merci. Et vous demandez comment pour faire pour que vous avez des étoiles, parce qu'on a besoin de vous donner des étoiles, mais comment on peut faire? Non, je ne peux pas avoir les étoiles parce que mon compte, c'est un compte qui a parlé beaucoup de la sauvagerie, qui a, peut-être je vais créer un autre compte, je vais créer un autre Facebook, et c'est là-bas qu'on va mettre les étoiles. D'accord, ok, je comprends. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. You welcome, baby. À la Bilieuse Boutique, merci. Les produits RBL, je vous aime tellement et je sais que la seule moyen de vous montrer mon amour, c'est vraiment de vous soutenir dans tout ce que vous faites. Merci. Achetez vos produits, merci. Achetez vos vêtements. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de bonnes choses. I love you, take care of yourself. Me too, love you so much. You're the best. Yeah, the best, me too, you're the best. Ok, bye. Bye, bébé. Même le gars que je croyais que c'était aussi mon gars, l'amour aussi est fini. J'ai vraiment pas la chance avec les gars. Hein. C'est toujours les mêmes. Dès que tu es amoureux d'un gars, demain, il ne t'appelle plus, il commence à faire un genre. J'ai compris que je n'ai pas la chance en 2020, si là. Vraiment, j'ai compris que je n'ai pas la chance. Je ne veux même plus parce que ça me prend le temps. Oh! Dicap la merveille. Ça, c'est comment? Ça va, j'ai mis le haut-parleur. Hein. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai insisté de côté avant que tu ne raccroches ton direct pour te dire deux mots devant tout le monde. Tu comprends? Alors, tu sais, nous, on est venus sur Facebook. Nous sommes sur Facebook parce que on est en Europe et on se disait quand Facebook a été créé que par là, on peut faire des petits trucs pour animer la galerie parce qu'il y a trop de stress ici en Europe et tout ça. Mais les gens nous ont poussé à être d'autres personnes, à être des personnes, à porter des personnes que nous ne sommes pas. Par exemple, la dame qui est intervenue tout à l'heure quand j'essaie de t'appeler, quand elle parle de... Parce qu'elle était devant, elle était derrière, elle parle de rien. Tu n'es pas une fille aideuse. Tu n'es pas une fille aideuse. Je ne veux pas venir parler ici parce qu'on est sur la toile. Toi et moi, on se connaît. On est amis. En dehors de Facebook. Mais il faut que les gens comprennent que dernièrement, quand on était à l'anniversaire, tu as entendu ce que les gars ont dit là-bas? Que quand on est avec toi dans un autre milieu, dans un autre cadre, tu es une autre personne. C'est malheureusement comme ça que nous sommes. Nous ne sommes pas l'image que vous nous poussez à... DiCaprio! Ma personne! Comme tu as fait table rase là, oui. Comme tu as décidé de faire le direct là par rapport pour tes résolutions pour la nouvelle année, tu n'es pas, comme tu dis, tu n'es pas obligé de côtoyer des gens, mais tu leur pardonnes, tu vis de ton corps, c'est pour ta propre santé, c'est pour toi, c'est pour ta propre conscience, tu comprends? Oui. Pardonne-leur, prie même pour eux. Demande aussi à ceux que tu as offensés innocemment, inconsciemment ou consciemment, de te pardonner. Ça te libère toi-même. Je te dis, ça te libère toi. Et tu es tranquille. Parce que, regarde par exemple ce que je te prends l'exemple de ce que je vis actuellement. Une amie à qui j'ai tout fait, que je faisais tout devant elle, comme tu as dit tout à l'heure, que
L'autre, tu dès que tu vas dormir avec toi, fais avec ton gars dans la chambre sur le salon. Ou tu te dis que tu te confies, c'est ton ami, machin. Elle prend ta vie, elle va verser dehors parce que tu lui as dit que ma chérie, ce que je t'aidais souvent à faire là, je ne peux plus. Ou ce que toi et moi, on allait souvent faire, les valises que toi et moi, on tirait à gauche à droite là. Moi, j'ai déjà tiré dans le. Ce sont elles qui disent que les gens vendent le piment, alors que ce sont les premiers. Parce qu'elles sont les premières à venir dire sur Facebook vendre. Et puis c'est pour ça que dans mon zèle, l'autre jour, j'ai donc dit à tout le monde que c'est vrai, c'était mon passé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai un boulot maintenant, je suis épanoui, j'ai une vie normale maintenant. C'était mon passé. Mais vous connaissez la. Pardon, appelle-moi pas en vidéo. Lance la vidéo sur WhatsApp. Tu peux pas. Ouais, lance en vidéo, non. On va lance un peu en vidéo là. Oui. Oui. Maman, c'est DiCaprio. Donc, vraiment. Oui, ma personne. Oui. Donc, comme j'étais en train de dire, Flore, il faudrait que les gens sachent que tu n'es pas une personne haineuse. Je parle de toi, je parle de moi ici, parce qu'on est en direct tous les deux. Moi non plus. Je ne suis pas une personne haineuse. Ce qu'on me voit faire sur la toile, c'est parce que parfois, les gens nous poussent à bout. Et je ne sais pas, je me pose souvent la question de savoir, moi je suis croyant, mais je me pose souvent la question de savoir si Dieu existe vraiment. Parce que c'est toujours des personnes à qui on a tendu la main. Des personnes à qui on a donné un coup de main. Des personnes pour qui on était là. Je t'ai dit. Qui se retournent souvent contre nous. Je n'arrive pas à comprendre ça dans la vie tous les jours. Il faut voir comment des gens à qui je n'ai jamais rien fait de bien dans la vie ou même aider, me respecte. Mais c'est toujours des gens à qui on fait des choses pour qui on est là quand ils ont besoin de. Donc la fille, tu l'as appris à tirer les valises alors. Hein? Donc que tu l'as prise à vendre le piment en gros. Maman, c'est ce qu'elle allait s'asseoir sur Facebook pour dire que je vendais le piment et tout. Alors quand même, elle-même là, je l'ai aidé à tirer les valises. Vraiment, une grande. Je l'ai aidé à tirer les valises, elle allait casser les prix. À 20 euros. Dans ça, je me retrouve dans le travail normal parce que le king lui l'a dit que ici, on ne dort pas le matin, tu dois aller travailler. Vraiment, les filles connaissent casser les prix. Donc, elle vendait le piment. Elle dit qu'elle vendait à combien? 20 euros, vraiment, en plus au Luxembourg. Non, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je ne t'ai pas appelé par rapport à ton sujet de ce soir. Laisse-moi les histoires. Maman, tu dis que l'autre jour, tu as dit que quand on sautait la fenêtre là-bas à l'anniversaire, quand on a vendu son derrière, quand Kwanenga a vendu. C'est toi qui es resté là-bas, donc c'est les informations qu'on m'a données là. On m'a dit que quelqu'un voulait traverser. En connaissant, le truc est entré dans là où tu connais. Non, c'est une fille là. Non, c'est une fille qui avait blessé sa main là. Maman. C'est lui qui a fendu le bras. Ouais, je suis content de te faire sourire parce que tout à l'heure là, tu étais vraiment mal. Non, parce que les gens sont toujours en train de dire que fais la paix. Mais après, je t'ai senti un peu. Ma personne. Ma personne, j'ai des amis qui sont tes amis, non? Quand tu as juré que tu ne parles plus avec eux, je mens. J'ai mes amis qui sont tes amis que tu ne parles plus jamais avec eux, non? Mais il y a quoi de forcé que tu dois être ami avec quelqu'un, mon frère? Est-ce que j'étais déjà fait un poème un jour parce que tu es avec eux? Non, hein? Donc, ce que je voulais dire aussi aux gens, Flore, je voulais dire aux gens ici que la toile que vous voyez ici, faisons, insultons-nous, dites-nous tout ce qu'on veut, mais apprenez à laisser nos mamans, laissons nos mamans dans des histoires à dormir debout que nous faisons sur Facebook. Quand vous m'avez vu aboyer sur Facebook l'autre jour, avant d'aboyer sur Facebook, j'ai eu une envie de disparaître éternellement. Une fille a insulté ma maman. Mais. Laissons souvent les mamans des gens. Laissons souvent les mamans des gens dans tout ce que nous faisons sur Facebook. Une maman est sacrée. La maman de quelqu'un, c'est sa maman. Si tu as un problème avec moi, classe-moi, insulte-moi, mais laisse ma maman. Les parents en général. Il y a les parents, il y a les enfants. Je ne sais pas pourquoi les parents et les enfants, vous les mêlez souvent dans les histoires. Quand Flore classe peut-être quelqu'un parce que la personne l'a provoqué, tu peux classer maman. Maman n'a quoi à voir. Maman n'a rien sur Facebook. Elle a quoi à voir dans ça. Quand tu as vu, regarde, quand tu as vu ma personne, quand tu as vu notre personne qui a double sexe là, notre personne qui a deux sexes.
Non, quand tu as vu, j'ai parlé de la personne qui a deux sexes, que j'ai dit son hémaphro. Hémaphro, non, la personne qui a deux sexes là. Donc, quand je suis venue balancer. C'est encore qui Nous sommes en 2021. Elle a insulté ma mère. J'ai dit que, mais je connais ton secret. Tu as deux sexes. C'est qui, maman? Tu as deux. C'est qui? Tu ne prononces pas. Ton nom, c'est qui? Maman, les chanteuses d'avant, là, d'époque d'Aïdjo, là. Ah, maman, j'ai dosé. Elle te dit, mais tu es la grande sœur des Kwadekoudjé ici dehors. Parce que les gens sont déjà insultés les Kwadekoudjé ici dehors. Ils sont pleins. Moi, je dis que mes amis sont les Kwadekoudjé, j'assume. Je n'ai même pas un problème. Il y a quelque chose que j'ai même envie de dire aux gens. Vous êtes même toujours là. Vous êtes même toujours là en train d'insulter les gens, que les gens sont les Kwadekoudjé, les gens sont les ceci. Vous-même, vous êtes les Kwadekoudjé là dehors, mais vous n'arrivez pas à assumer vos vies. Et c'est pour ça que vous êtes toujours écrit le visage. Tu as 20 ans. Tu as 40 ans, tu ressembles à une personne de 70 ans. Et les gens qui taillent les micros et les tailleurs de micros dans les toilettes publiques. Apprenez à assumer vos vies. Alors, vous pensez que nous, on a fait trop le miracle pour assumer? Moi, je vous dis ça en haut. Ta perruque est où? Tu es où là? Ta perruque est où? Tu es à la maison? Je suis à la maison. Je suis dans ma résidence là. Mais tu peux pas mettre un peu ta perruque là, qu'on voit comment tu es belle. Non, Flo. Ah, Kawa, tu sais comment les filles là, elles m'entendent, non? Tu prends le garrot. Flo, tu es toi en train de me distraire. Moi, je veux parler des choses sérieuses. Oui. Ce n'est que les Kwadekoudjé qui reconnaissent les Kwadekoudjé et qui insultent les Kwadekoudjé. Parce que quelqu'un qui n'est pas Kwadekoudjé, tu vas faire comment pour savoir que quand même est Kwadekoudjé? Hein? Vous ne pouvez pas arriver au niveau où nous sommes arrivés, qu'on assume. Maman, le Congo, ça dit que ton piment donne qu'à Abidjan, oh. Que ton piment donne qu'en Côte d'Ivoire, le tout si. Je pars dans 10 jours. Là que je pars dans 10 jours. C'est les Kwadekoudjé qui ont dit que ton piment, la Côte d'Ivoire, oui, c'est maintenant. Je pars dans 10 jours et je voyage en première classe. S'ils peuvent aussi acheter le billet en première classe pour rentabiliser, qu'ils achètent. Maman, ils disent que c'est un show ministre qui t'a acheté le billet. Flore. avant, c'était que je blanchissais l'argent du gouvernement camerounais. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a blanchi aussi. Maman, le haïa de ça. Les Camerounais ont toujours à dire. Toujours. Je travaille comme tout le monde. Je me lève le matin et pas travailler. Je travaille dans un bureau assis avec mon faux français là. Je travaille. Et tu as ta maison. Léo, pardon, recule ton voix un peu. Et tu as acheté ta maison dans ta résidence secondaire. Avec le qui? Tu veux qu'on voie quoi? Ma maison de quelqu'un est privée, ma. C'est privé. Je suis en chantier. Le King Royal. Je suis en chantier. Maman, il y a les gars qui vont te draguer le tout pour venir dormir. Comme ils sont là, que ils vont dormir où? Flore, tu vas me tuer. Maman, pardon, on va voir la vidéo où tu dansais au deuil là. Il va les manger. Avant, ils vont venir chercher là où ils vont dormir. Même ceux qui ne sont pas double cible. Et il dit. Moi, j'ai quand même une question. Il dit que les gars qui mentent, qui sont double sim là, quand il arrive à l'eau, qu'il cherche où il va dormir, la nuit, quand on le touche, il réagit comment? Déjà, d'abord, je n'ai pas affaire à cette catégorie de personnes, ma chérie. Tu me connais. Donc, je veux dire aux gens que peut-être tu lances les graines de maïs arrivé et tu trouves que ce n'est pas un gars, un Kwadekoudjé là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de toute façon. Tu n'as jamais déviégé un hétéro? Non, je n'apprends rien à personne. Tu sais que on m'a même accusé que c'est moi qui excite les gens à devenir machin et tout. Maman, tu es pas à une soirée. Je tourne le mounyambé que Dieu m'a donné, quelqu'un me suit. Comment? Maman, les talons de ça. Tu as encore tes talons là. Je suis rentré avec lui. D'autres qui te suivent même dans les toilettes. Vraiment. Donc, là-bas que elle a seulement la malchance de tomber dessus les bisexuels. Elle vient me dire qu'elle est dragée son mari. C'est pas la fille qui s'était mariée dernièrement avec un gars au mot là. Maman, le gars allait là de tel autre jour. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Les filles qui vivent avec les homosexuels là, vous faites comment? Parce que une fille qui vit avec un gars qui est homosexuel, mais il va finir avec un homme. Tu acceptes qu'on te dote. Il y a des filles, il y a une catégorie de filles qui aiment bien les hommes bien. Hein, ah, qui aiment les bi? Moi, une fille est bi, ça me dérange pas. Qui disent qu'elle trouve beaucoup d'attention, de tendresse chez
Mmh. Ah bon? Et l'engagé était présenté là, c'est comment? Quand je me fais draguer en boîte de nuit, c'est toujours comme ça. Je demande souvent que ma chérie, quand tu me regardes là, tu vois bien ce que je suis, non? Tu me dragues, tu veux quoi? C'est mon agent, mon petit agent là que tu veux? Ou bien c'est seulement, tu veux quoi? Elle te dit clairement que c'est des personnes comme toi qui me donnent la joie au cœur, qui me donnent. Elle donne ses raisons. Quelle est-ce qui aime bien les filles? Mais l'engagé était présenté pour le Mouna là, c'est comment, non? On va se voir. Elle est à Nantes. Il faut que j'aille jusqu'à Nantes. Je vais aller à Nantes dans 3 semaines. Mais quand tu la vois, ça peut donner, non? Ah, d'abord les examens à l'hôpital, hein, ma chérie. Il faut qu'on regarde si nous deux personnes ont des, tu vois, les maladies du sang. Enfin, je veux dire les maladies héréditaires, là, tout ça. Parce que faut pas aller s'engager de faire l'enfant et puis l'enfant sera maladif. Donc, il faut d'abord passer par l'hôpital et tout ça. Bon. Et elle m'a dit qu'elle préfère que c'est moi qui vienne en France. Donc, je vais aller dans 2 semaines. D'accord. Tu l'embrasses. Je te tiendrai au courant de toutes les façons. C'est la seule. Une autre m'avait aussi appelé. Elle est d'Anvers. Mais quand elle a commencé, en parlant au téléphone avec elle, elle a commencé à me donner ses titres. Elle est ingénieure. Elle est ceci. C'est pas. Je m'en fous de ce que tu es. Voilà. J'avais juste précisé que si c'est une qui n'a pas les kaolo, je peux. Ça ne me dérange pas de lui ouvrir le séjour. Mais voilà, mais elle a commencé à me donner les titres. Et après, bon, ce qui m'a un peu fait freiner, c'est que elle voulait me bluffer, quoi. Moi, on ne me bluffe pas. Je te dis, regarde alors les filles. Les filles sont terribles. Hein. Vraiment. Donc, voilà. Mais celle de Nantes, j'y tiens, on parle tout le temps. Mm-hmm, après le direct de l'autre jour, le crash de l'autre jour, elle m'a conseillé, elle m'a dit que. En fait, elle m'a dit, et c'est vrai, Flore, tu vois, bon, toi, tu as déjà une image que tout le monde connaît et que chacun appréhende à sa façon. Mais moi, ce qu'elle m'a dit, elle a raison. Parce que moi, je suis Facebook, tout le monde sait que je m'étais nommé le gouverneur international de l'ambiance. Donc, moi, c'est l'ambiance, la bonne humeur. Mais les gens ont tendance à souvent me distraire dans. Moi, j'ai des gens, Flore, tu sais, moi, j'ai des gens que. Quelqu'un rentre du travail, il te dit que, ouais, tu n'as pas fait le direct depuis 3 jours, alors que quand il rentre le soir, ton direct me donne la bonne humeur, tu vois. Mm-hmm. Donc, quand les sorciers veulent venir te distraire, alors que toi, moi, je suis fait pour la joie de vivre, pour rien d'autre. D'autres disent même que je me vante, je ne me vante pas, j'ai vu ma petite fille. Je la partage avec ceux qui aiment bien, ceux qui n'aiment pas, bah, tant mieux. Il y a des gens qui disent que oui, tu es sur Facebook, tu dragues les maris des gens. J'ai toujours pris ton témoignage, ta partie en disant que... Oh, mais tu fais quoi? Le Congo, ça, moi, pardon, excuse-moi d'avoir trahi. Que oui, tu es sur Facebook, tu dragues les hommes mariés. Moi-même, j'ai dit, j'ai pris ton parti, que niet, tu n'es pas comme ça. Quand on dit qu'ils draguent les maris des gens, dans Facebook, c'est des gens sont souvent les capturés. Que les gens ne m'énervent pas. Parce que moi, vraiment. Le jour que je vais décider de mettre quelqu'un à nu, Vous n'allez même pas croire. Eh oui, oui. Je ne drague personne. Quand je vais en soirée danser ma danse, ça disjoncte dans les jambes de quelqu'un qui me suit. Si ma tête aussi jette l'air, je prends. Si ça ne jette pas l'air, il dégage. Je ne drague personne. Je te dis, ils ont fait le Congo, ça que oui, tu es sur Facebook, tu dragues tous les hommes mariés. Et que, wow, co. Donc, mon fantasme, c'est les hommes mariés. Je te dis, j'ai dit que maman. Je t'ai dit, jusqu'à parler ton nom. Je t'ai dit, les Camerounais, jusqu'à parler ton nom. J'ai dit que oui, tu capouilles le fait que draguer les maris des gens. J'ai dit que pardon. Mais je ne parle pas de où sont les vidéos, où sont les. Maman, mettez en voix. Et non, rien. Il y a une qui avait dit, sur Facebook, elle a tapé la poitrine. Celle que j'ai clashée, elle a dit qu'elle ne veut pas prononcer son nom. Elle a tapé la poitrine qu'elle a les captures. On n'a pas vu les captures. Je t'ai dit. Pourtant, je prêtais jusqu'au caleçon quand ils habitaient chez moi. Je t'ai dit, pardon. On dit que oh, tu as dragué, le gars a refusé. Il dit que, ah, co. Ah, l'ex de Stéphanie de Mélouse. Oui, que quand tu as dragué, le gars a refusé. C'est pour ça que. Il est l'ex de Stéphane de Mélouse et moi, il drague, il me refuse. Je t'ai dit jusqu'à dire que oui, tu as dragué, il a refusé et tout et tout. J'ai dit que maman, elle ne veut pas m'entrer dedans. Oh. Et on n'a pas dit qu'elle s'est passée à la vitesse supérieure. Parce que quand je drague même au voiture, au fuseau, je passe à la vitesse supérieure. Je sors les moyens. Ah, ah, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Oui. Mais 2020, on est là que la pauvreté de quoi. Atteindre mon objectif. Je,
je mets les moyens en jeu. Je te dis, je te dis. J'ai dit que les gens, j'ai dit qu'il y a un connaisseur qui m'étonne. Il va d'abord un gars qui marche, que tu as d'abord ton sac Hermès avec ton King Royal sur le côté. Oui. Et pense que... Non, la fille, elle dit que la fille, elle est jamais allée dans un magasin. Oh. Seulement les lèches qui clignent, mais elle dit qu'elle porte les faux sacs. Oh, vraiment, les filles sont jalouses ici dehors. Elle n'est jamais allée au magasin. Quand je l'ai connue, c'est moi qui l'achète les trois premiers paquets de brésiliennes qu'elle met sur la tête. Je te dis... Quand tu as dragué son gars. Les trois premiers paquets de mèches qu'elle me dit que ma chérie, j'adore traîner avec les femmes élégantes, les femmes chic. Tu ne vas pas attacher les matobons sur la tête, tu dis qu'on va sortir, aller boire un verre au restaurant. Non. Je te dis. J'ai acheté trois paquets de mèches en deux pour se jusqu'à dire que oui. Jusqu'à dire que oui, que quand vous êtes ensemble, les gars te draguent plus que elle. J'ai dit que maman, que les gars aiment te parler. J'ai dit que non. C'est la jalousie. Je te dis que oui, quand vous êtes ensemble, les gars s'approchent vers toi pour causer avec toi. Ah, maman, réponds. Réponds-lui. Quand je dis à mes deux ex-copines que je suis votre lumière, quand oui. Je m'habille en tra-tra pour aller en bois de nuit danser, je prends les lolos, je mets comme ça. Je prends les 21 cm de guide de talons, je mets comme ça. Je mets un slim avec un petit t-shirt col V. Quand je débarque en bois de nuit, tout le monde me regarde et les filles qui sont derrière moi, c'est comme ça qu'elles ont la lumière. C'est pour ça qu'elles traînaient avec moi. Moi, je ne savais même pas que j'étais leur lumière. C'est un jour qui m'a dit à maman. C'est la lumière des filles avec qui tu marches là. Elles doivent te respecter. Elles doivent te respecter. J'étais leur lumière. Je te dis. Je te dis que je ne dis plus. Ça fait 4 ans et je ne dis plus les valises avec elles. Oha. Je dis qu'elles ne disent plus. Maman, les filles qui demandent les ndamba. Elles disent qu'un jour vous êtes parti à un bisgo. Tes ndamba étaient finis quand tu as pris les ndamba dans son sac. J'ai dit que maman. Quelque chose que moi-même j'ai une ONG. Moi-même j'ai une. On appelle ça ici en Belgique une ASBL. Une ASBL pour soutenir les personnes atteintes des maladies infectieuses. J'ai une ASBL et mes ndamba finissent pas à prendre pour elle. Moi qui distribue les ndamba aux gens, et pas à prendre pour elle. J'ai dit que quand l'éveil est fini. J'ai dit que quand l'éveil est fini, maman, quand l'éveil est fini. Qu'on a pris ses ndamba, que oh, tu avais pris son bon cli-cli, qu'elle avait un bon client là. Non, elle est grave. En tout cas, je suis content de t'avoir fait retrouver le sourire parce que tout à l'heure, tu n'étais vraiment pas bien. Ouais, ouais, ma personne. Ma personne. Oui, elle dort. Ma personne, vraiment, la vidéo où on était à Strasbourg, là, non, avec la vieille mère. À Strasbourg. Au deuil de Mini Mino, avec la vieille mère, non. Maman, comme le père m'a offert le iPhone 12 là, hey. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos. Maman, c'est iPhone 12 que tu as maintenant. Maman. Dès que j'ai changé le téléphone, tu sais que c'est fini, mais le père ouvre tous les cadeaux. Est-ce que. Okay. Mais. Maman. Maman, tu as vu. Maman. Je t'ai dit que tu es passé au roi. Tu vois l'anniversaire. Tu vois le policier qui est venu te suivre dans ma chambre jusqu'à ce que. Il a dit qu'il était venu avec un Kwanenge là, maman. Je n'ai pas voulu travailler au Kwanenge là. Que voilà ton gars qui a été parti avec mon ami. Oh. Il non, t'a. T'avais dit depuis que c'est moi qui étais d'abord là avant que. Oui, mais je vais dire que le gars qui était assis là, qui faisait le frère, le mignon là, quand le policier est sorti, il t'a fait c'était dans la chambre. J'ai entendu comment il t'a dit que tu le retrouves chez lui. Mais le gars était là, il ne savait pas que tu es gauche, le gars. Maman, le goût de ça. De la vie, ça. Maman, pardon, il faut pardonner, oh, maman, le jour de l'anniversaire. On a ces mantèques, maman. Et pardonne-moi, ma fille. On devait même faire l'anniversaire, là. Je t'avais ramené le. Regarde la marque. Maman, regarde d'abord la personne là qui nous a fait. Je t'avais ramené le pull et la casquette de cette marque. C'est la marque d'un jeune Camerounais, s'appelle Alton Premier. Il est où? C'est la marque. Il est ici en Belgique. Il est à Lille, autant pour moi, il est à Lille. Je t'avais ramené ton pull et la casquette. Maman, tu n'as pas vu comment ta copine Koudjé a tout gâté. Apparemment, elle a dit que. Police, ils sont 30 contre moi. Je t'ai dit, une signeuse. J'ai la drogue. Oui, elle a dit qu'elle avait la cocaïne. Et vraiment, si je vais dans les soirées en Belgique, on fouille tous ceux qui ont la cocaïne et n'entrent pas. Vraiment, les fumeurs de Bangala. Je remercie Dieu parce que... Tu étais là parti. J'ai sauté par la fenêtre là-bas, je ne sais pas comment. La cigarette même, c'est
c'est à peine je touche souvent à la cigarette. Je te dis. Tu es toujours bien portant, pimpant, mais c'est parce que j'ai des limites. Tu es toujours pimpant, toujours sexy. Moi, je ne connais pas comment je vais prendre. Les 50 euros que je vais acheter le sac de riz brun sur Londres à ma mère, on me dit qu'elle va aller acheter le machin pour maigrir. Je te dis, comme tu entends. Dès qu'ils mettent ça comme ça, là, ils sont des zombies, ils restent 4 jours sans dormir. Moi qui adore le sommeil, là, comme quoi, je vais rester 4 jours sans dormir que maman. Maman, je te dis, on dit que maintenant ton Golden Boy est médecin, je ne veux pas dire son nom. Laissons. Non, pardon. Pardon, salue-moi le Golden Boy. Le Golden Boy. N'oublie pas l'Olympia. Maman, ils connaissent tous ma vie comme ça. Et moi, j'ai dit qu'ils connaissent. Ils m'ont fait le Congo ça ici. J'ai dit que maman, que wow. Ton, maman, ta fille de Belgique a maintenant le Golden Boy. Que un super chirurgien. Un chirurgien dentiste. J'ai dit que quoi? Non, on continue pas, pardon, change de sujet. Non, chérie, pardon, change de sujet, je ne veux pas. Je n'ai personne. Oui. Je suis célibataire. Tu es vraiment mon pousseur, même seulement maintenant. Maman, on dit que maintenant que ton grand Grimba, c'est maintenant la Côte d'Ivoire, maman. Que maintenant la Côte d'Ivoire. Oui, que c'est en Côte d'Ivoire maintenant que tu pars là-bas, tu fais le saga, tu fais du sale. Que quand tu arrives à Abidjan comme ça, à Babi. Tout le monde tombe ses mains. Mon oncle a que de mourir de rire là-bas, la cuisine. Attends. Mon oncle, c'est ton grand fan. Il est là-bas, la cuisine, il ne fait que rire. Pardon, salue-le pour moi, non. Il a compris. Tu es sûr? Flo, je te dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Flo. C'est comment? Mais comment donc, je te disais que chérie, laisse les gens qui nous veulent du mal là. Nous ne sommes pas des personnes haineuses. C'est pour ça que le Seigneur nous bénit toujours. Regarde ton appartement, regarde comment c'est chic. Le Dom Pérignon. Tu me connais depuis Lille, non? Est-ce que tu me connais depuis au moins combien d'années aujourd'hui? Les gens parlent même souvent parce qu'ils nous voient. Mais quand tu étais encore jeune, c'est aujourd'hui que tu me connais. J'étais connu, j'avais 23 ans. Donc il faut les que gens me font arrêter. Rigoler. Hein? J'avais 23 ans. C'est ma fille. Arrête. Mon bébé, je t'embrasse. Attends, je cherche une vidéo là. Reste en ligne. Je vais te montrer un truc là. Ah, il m'a fait la peau là là. Attendez, bébé. Ouais, je dis que. Je cherche un truc là. Je cherche. Oh. Cherchez une vidéo là. Cherchez une vidéo. Une vidéo là que un de nos tontons, une de nos tatas qui danse. Cherchez la vidéo de deuil de Mini, non? Oh, je vais trouver ça où est. Ouais, j'ai bien l'app. Au goût de ça. Les anniversaires à Steve Fah. Oh, c'est son anniversaire. Ouais, partez dormir, non? Comme vous voyez là-haut, maman Sarah, oh. Ouais, Seigneur. On est là, non? Oh, ma poupa veut. Le numéro est là, moi, il ne dort pas. Il dort pourquoi? J'ai trop rigolé. Les gens qui sont toujours là en train de vouloir. 2021, si pardon. Plus de clash au que chacun gère son couloir. Couple direct, pourquoi? C'est toi qui m'as lancé. Couple direct, ma faux. Ah, je relance. Non, je coupe, pardon. C'est même... Ah, je dois couper. Non, laissez alors, je coupe une fois, pardon. Relancer quoi? M'avait dormi. Bisous, non. Ah, je sais pas, à bientôt, hein.
2021, c'est autre chose. Bisous.